unter der Decke, ja, also man ist genervt. Bien, bah écoutez, nous allons ouvrir cette deuxième journée du colloque. Plus près? Voilà. Cette deuxième journée du colloque. Et nous allons aborder aujourd'hui, dans un troisième temps, après avoir vu les politiques et les réformes donc, en santé publique. Hier, nous avons eu également, hier après-midi, des communications sur les premières préoccupations environnementales, les préoccupations aussi sur l'alimentation les problématiques autour de la démographie, avec des communications sur les jeunes et les seniors. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans la matinée des innovations et circulations en santé publique, deux sous-thèmes, avec effectivement la recherche, donc au niveau de la recherche biomédicale qui se décompose en recherche fondamentale et recherche clinique. En principe, ça devrait être complémentaire, mais si j'en crois les résumés des communications qui vont suivre, il y a des enjeux financiers et des enjeux de pouvoir, comme souvent. Alors, sans plus tarder, nous avons commencé avec un petit peu de retard pour permettre aux personnes qui ont effectivement des problèmes de transport d'arriver donc jusqu'ici sans trop de mal. Donc, je vais donner la parole en premier à Pascal Griset, qui est, j'allais dire, que j'ai connu comme collègue temporairement à Bordeaux, mais qui est maintenant et depuis plusieurs années professeur donc d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, mais qui aujourd'hui tout particulièrement préside le comité pour l'histoire de l'INSERM, et évidemment il est très bien placé, il a initié ce colloque, il en a initié aussi les thèmes. Et bien entendu, c'est la personne, je dirais, qui est au cœur donc, de ce colloque sur la santé. Je remercie évidemment le personnel de l'Institut Pompidou qui est toujours là, présent pour nous accueillir, ainsi que le président Eisenberg et la présidente du Conseil scientifique, Christine Manigan. Alors, Pascal Griset donc, est spécialiste des innovations, qui est le thème donc, de ce matin. D'ailleurs, il anime le Centre de recherche en histoire de l'innovation. Il a publié plusieurs textes sur ce sujet et j'en citerai un article qui est directement en rapport avec son sujet, qui a été publié dans la Revue politique et parlementaire de 2022, article donc tout à fait récent, qui s'intitule « Recherche biomédicale et expertise ». Et finalement, ce matin, on va aborder le problème des institutions. Et Pascal Griset va nous parler donc de la création de l'INSERM en 1964 et les innovations donc biomédicales. Je lui laisse la parole donc pour 20-25 minutes. Merci, Madame la Présidente. Oui, de très bons souvenirs de Michel de Montaigne, et je suis toujours ravi de continuer à collaborer avec votre université.
Donc aujourd'hui, je vais avoir deux objectifs, vous présenter la genèse de l'INSERM, ses origines, comprendre comment cette institution est née en 1964, c'est-à-dire au cœur de la période qui nous intéresse. Et dans un second temps, alors les parties ne seront pas peut-être complètement équilibrées en termes de détails, mais la cohérence globale imposait d'insister sur ses origines pour comprendre les questions. Je verrai comment, après sa création, l'INSERM, au cours des années, de la fin des années 60 et la première moitié des années 70, s'est développée avec, en effet, les questions de relations, principalement d'ailleurs, entre la communauté médicale, les médecins, et puis les chercheurs, des médecins-chercheurs, des chercheurs qui n'étaient pas médecins, mais avec des objets de recherche commun. Alors, pour introduire très rapidement, rappelons-nous le contexte. Tout d'abord, la création en 1939 du CNRS, puis l'élan de cette création, mais dans un contexte tout à fait différent, la création d'autres institutions de recherche dont vous voyez la liste à l'écran, c'est assez bien connu, mais notons immédiatement un premier paradoxe dans cette histoire de la recherche française, alors que le CNRS est le Centre national de la recherche scientifique, englobait tous les champs de la recherche. Dès deux ans plus tard, on commence à créer des instituts de recherche spécialisés. Donc, ça crée un paysage un petit peu complexe. Et au sein de ces institutions, vous noterez le premier de cette genèse, finalement, l'Institut national d'hygiène, créé en 1941, qui va aborder les questions notamment d'alimentation, d'hygiène dans le contexte de l'occupation. Nous avons eu l'occasion de rappeler hier au cours des débats la situation dramatique de la population française au cours de cette période. Et puis, donc, après ce premier mouvement qui englobe, alors il y a des débats sur continuité, rupture, etc., mais qui englobe la période de l'occupation et la période de la libération, eh bien, troisième mouvement, CNRS, donc, ensuite les débuts de la Ve République, avec une année 58 dont on a déjà parlé hier, qui est absolument impressionnante en termes de changement de manière très rapide, avec les différentes institutions que vous pouvez voir sur le PowerPoint, je ne vais pas les reprendre, et de grandes institutions de recherche comme le CNES, il y aura aussi l'IRIA, devenu INRIA en 1967, et puis au cœur de cette période, à nouveau marquée par une volonté gaullienne, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en 1964. Alors ça, c'est le contexte général, contexte encore plus général. Il faut prendre en compte le fait que nous vivons à cette époque une rupture majeure dans le rapport à l'information, c'est les grands débuts de l'informatique, mais au-delà de l'informatique, la théorie de l'information avec Norbert Wiener, bien sûr l'ordinateur avec Alan Turing et John von Neumann, et puis quelques années plus tard, la découverte de la double hélice de l'ADN qui va, là aussi, il s'agit d'information, une information portée biologiquement. Ces technologies de l'information et de la communication se développent de manière extrêmement forte à partir des années 60 dans le quotidien. Dans les années 50, cela reste limité à de grandes institutions de recherche. Avec les années 60, il va y avoir le grand tournant, c'est l'IBM 360, comme par hasard 1964, qui va marquer l'ouverture d'une époque où l'informatique est accessible à des structures de taille, je dirais, raisonnable, voire à des petites et moyennes entreprises, des petites unités de recherche, avec, en 1966, vous voyez le DEC PDP-10, c'est un mini-ordinateur, pas encore un micro, mais qui a eu une importance que je ne peux pas développer, mais majeure dans l'accès pour les chercheurs à l'informatique. Et puis, autre élément qui est plus qu'un élément de contexte, on se rapproche de nos affaires, la création de la sécurité sociale, on l'a évoqué, c'est clairement un levier majeur et une implication majeure pour l'État qui change la donne et qui change au cours de nos jours et qui nécessitera des adaptations. Alors, première partie donc de l'INH à l'INSERM, une nouvelle organisation, une nouvelle ambition pour la recherche médicale. Donc, voyons comment on est passé de cet Institut national d'hygiène à l'INSERM et selon quel parcours et selon quelle logique.
Donc, l'Institut national d'hygiène fondé le 30 novembre 1941, dédié à des domaines relativement précis, nutrition, maladies sociales, santé, épidémiologie. Donc, finalement, un véritable institut de santé publique. Mais parallèlement, des forces plus, moins visibles, dirais-je, en termes de structuration émergent avec, on parlait des circulations transatlantiques également hier, le lien avec les États-Unis qui va être quelque chose d'extrêmement important, un lien tout à la fois intellectuel, scientifique, je dirais même culturel en matière de culture de recherche, et un lien financier, puisque on voit ici le professeur André Chevalier qui va jouer un rôle important dans toute cette structuration. Je ne pourrais pas rentrer dans l'influence de chacun. En relation, en 1940, avec l'Institut Rockefeller, l'Institut Rockefeller est l'une des institutions américaines qui va, par ses financements, mais également en facilitant ses circulations entre l'Europe, la France et les États-Unis, bien faire émerger ce concept de recherche biomédicale, de recherche qui ne sera plus liée directement à la pratique de la médecine, mais qui sera un champ de recherche à part entière. Pour bien souligner l'importance de cette influence américaine, de ce modèle américain, leur modèle pas au sens strictement normatif, mais vraiment de stimulation, de culture nouvelle de la recherche, ce témoignage de Maurice Tubiana, ultérieur, mais qui, je crois, reflète très largement les parcours de tous ceux qui l'ont ou accompagné ou suivi, peu importe, là-bas, allant faire leur thèse, hein, la plupart du temps, c'était pour aller faire une thèse dans un grand labo. Là-bas, nous avons découvert, stupéfait, une médecine nouvelle. Quelques esprits lucides, comme Debré ou Bugnard, avaient compris qu'il fallait encourager des jeunes médecins à se perfectionner outre-Atlantique. En 1947, j'ai eu la chance d'être de cela, et je garde encore un souvenir ébloui de ces 14 mois où me fut révélée la médecine moderne. Je crois que c'est vraiment quelque chose de particulièrement net. Alors, vous voyez ici la liste des entre guillemets grands noms et de leurs connexions avec les institutions américaines. On voit les filières hein, soutenues par Louis Bugnard avec la Rockefeller Foundation, Jean Dausset, Minkowski, Jean Scherrer, Maurice Tubiana déjà cité, avec des structures comme Columbia, Berkeley, Chicago, etc. Alors, autre élément structurant dans cette affaire, j'ai cité l'INH, j'ai cité les liens avec les fondations américaines, et c'est également lié à des questions de moyens et de structuration de la recherche, la création de l'association Claude Bernard en 1953. Elle réunit une nouvelle génération de cliniciens qui veut établir la recherche médicale à l'hôpital. Donc, on a parlé des hôpitaux hier. Cette nécessité d'installer la recherche médicale à l'hôpital est liée au fait qu'on ne fait pas de recherche médicale sans patient. D'une manière triviale, on pourrait dire que l'accès aux patients est quelque chose de tout à fait stratégique dans ce domaine. Et donc, cette fondation, cette association Claude Bernard va permettre par différentes sources de financement en France d'initier les premiers laboratoires réellement financés par ces fonds privés hein, et qui sont établis à partir de 1956. Donc, vous voyez ici Jean Bernard en 1956, ça va financer également le centre de recherche de Jean Burger où seront réalisés les premiers artificiels. D'autres parcours, Je cite Jean Monod, même si ses relations avec l'INSERM ne furent pas par la suite excellentes, hein, mais prix Nobel dans le cadre de ses recherches qui marquent cette évolution vers la biologie moléculaire. Et puis donc, ces deux personnalités sont, je dirais, les maîtres d'œuvre de cette grande réforme, de ce grand changement de la recherche biomédicale française et de la médecine française, Robert Debré et Jean Dausset. Et ensemble, on connaît leur dialogue et tous les témoignages sur la manière dont ils ont conçu cette évolution, ils seront
à la manœuvre pour la réforme de 1958, dit réforme Debré. On en a parlé hier, les CHU, mais c'est surtout à travers ces CHU, bon, il y a beaucoup d'implications de cette réforme, évidemment, mais l'idée, c'est que la recherche universitaire, hein, labellisée de manière universitaire, avec tout ce que ça implique en termes de statut, professeur, maître de conférence, etc., soit installée dans les hôpitaux et se développe dans les hôpitaux. Donc, c'est un tournant majeur, hein, qui aura des conséquences très vite. Alors, j'ai rappelé hier, lors d'une intervention depuis la salle, à quel point cette réforme Debré avait été mal accueilli par les médecins, notamment par les académiciens ici, lors d'une séance en l'absence de Robert Debré, comment Robert Debré avait, à la séance suivante, une semaine plus tard, dit, bon, écoutez, avec autorité, cette réforme est bonne et nous l'appliquerons. Et les contestations se sont largement atténuées. Donc, pour résumer, l'INSERM, créé en 1964, se retrouve à la convergence de deux grands courants, l'INH et l'association Claude Bernard, traversée par ces relations transatlantiques. Quand je dis relations transatlantiques, il y a des relations culturelles, scientifiques et financières. Et formellement, l'INSERM est une transformation de l'INH, mais dans la réalité des faits, ça va vraiment être une sorte de convergence entre ce qui se faisait à l'association Claude Bernard et ce qui se faisait au sein de l'INH. Donc, c'est le 18 juillet 1964. Les centres de recherche installés par l'association Claude Bernard et l'INH vont constituer les premières unités de l'INSERM. Hein, vous en avez ici la liste que je ne vais pas détailler. Vous voyez que le plus gros, une bonne partie de l'effort avait été faite dans la toute dernière partie des années 50. Et puis, au début des années 60, vous avez les grandes thématiques. Hein, je n'aurai pas le temps de parler des innovations, d'évoquer les innovations dans ces différents domaines. Mais vous voyez ici les domaines principaux avec leur correspondance. Pour la plupart d'entre eux, le matricule, hein, ces unités INSERM et le matricule qui suit. Donc, à la manœuvre, Eugène Ojaleux, bien sûr, à tête de cet ensemble, André Chevalier qui a joué un rôle important et Louis Bugnard, que vous voyez à la fin, donc c'est ces hommes qui ont joué un rôle tout à fait considérable. Alors, pour conclure sur ce point, sur ces tout débuts de l'INSERM, notons que l'État va mettre des moyens, permettre à cette institution de se développer rapidement pour investir dans la biologie moléculaire, pour permettre à ce changement de paradigme scientifique, hein, partant d'une recherche médicale classique, dirions-nous, à quelque chose qui intègre des éléments issus de la science la plus récente. Donc, le budget de l'INH était de 28 millions de francs en 1962. En 1966, le budget de l'INSERM sera de 72 millions de francs. Alors, bien sûr, ce n'est pas corrigé de l'inflation, mais c'est quand même une progression tout à fait considérable. Au cours de cette toute première période, par l'intégration d'unités existant déjà, par la création d'autres unités, c'est une soixantaine d'unités de recherche qui feront partie de l'INSERM. Donc, c'est vraiment un ensemble tout à fait important. Alors, on citera notamment donc tout ce qui est en région parisienne, Marseille, Strasbourg également, qui jouera un rôle important, etc., etc., Toulouse, qui sont les grands, Nancy, les grands lieux de cette recherche. Donc, je passe sans tarder à ma deuxième partie pour voir comment tout cela s'est développé. Tout d'abord, en notant que cet afflux de moyens, cette structuration ne va pas être appréciée par tout le monde, et notamment par le CNRS, évidemment, qui voit tout cela avec un regard critique, comme toute création, c'est vrai, d'une certaine manière, peut-être pas tout à fait logique.
L'Institut Pasteur, le CNRS, parce qu'ils ont une culture de biologistes plutôt que de médecins, sont très critiques à l'égard de l'INSERM et instillent déjà l'idée que l'INSERM, il y a trop de médecins, ce n'est pas dit exactement comme cela, mais c'est une culture qui est trop liée à cette tradition un peu poussiéreuse, estime-t-il, et on essaye de faire revivre des choses qui finalement, est-ce bien utile alors qu'il aurait fallu financer le CNRS, les institutions qui font vraiment. La biologie, et je cite un des acteurs majeurs de cette époque, la biologie a toujours fait plus pour la médecine que la médecine elle-même, moyennant quoi le CNRS n'a pas à aider le double jeu médical. Alors, je tremble de prononcer ces mots sous cette coupole. Et donc, ces mots sont écrits par Pierre Chambon, hein, professeur au Collège de France et éminente personnalité de la recherche en génétique, en biologie moléculaire, et notamment à Strasbourg. Et donc, on voit les clivages qui montrent que les fonds baptismaux de l'INSERM ne sont pas entourés que de bonnes fées. Alors, là, donc voici les ressources. J'étais un petit peu vite. Avec, je reviens juste un petit peu en arrière. Avec comme point clé donc pour développer l'INSERM, c'est la cohabitation et surtout la co-construction, une dynamique commune entre recherche clinique d'une part et ce qu'on appelle recherche fondamentale, ce qu'on appellera la clinique et la paillasse. C'est-à-dire comment ces deux mondes peuvent cohabiter, sachant qu'évidemment, il y a déjà des médecins qui, dans leur service hospitalier, ont franchi ce pas, ont organisé des unités de recherche qui sont déjà engagées dans ce domaine, mais que l'INSERM va être appelé à recruter des gens qui ne seront pas forcément des médecins, qui de plus en plus ne seront pas des médecins. Alors, Cette tension va d'abord être révélée par mai 1968. Je me suis focalisé sur quelques points qui vont faire apparaître ces lignes de tension au sein même de l'INSERM. Mai 1968, c'est une histoire intéressante pour l'INSERM qui nous permet de mettre en avant le fait que l'amalgame entre les hospitaliers et les chercheurs que l'on commence à recruter, hein, à partir de 1964, on recrute des gens qui sortent des facultés, de l'université, on recrute même des polytechniciens, on recrute dans différents domaines, des médecins aussi, mais l'amalgame au sens de 1793 ne se fait pas. Comme le soulignera Claude Mahouas, l'asymétrie des positions des uns et des autres ne permet pas la convergence souhaitée. Donc, ça ne prend pas bien lors de ces premières années. Je le cite, en fait, le propriétaire des mètres carrés, sous-entendu dans l'hôpital, dans le service hospitalier, c'était le mandarin. Et ce nom bien connu de mai 1968 est ici particulièrement utilisé. Le chef de service. Donc, on le nomme responsable d'une unité de recherche à laquelle on alloue un laboratoire. Il lui revient alors de trouver des chercheurs, mais ceux-ci n'ont le plus souvent ni accès aux malades, ni de fonction universitaire. En fait, les mandarins ont transformé les chercheurs en supplétifs. En réaction, on a vu se développer une sorte de haine du chercheur de base vis-à-vis du mandarin, qui explique, me semble-t-il, en partie dans notre milieu, l'explosion de 1968. Alors, cette explosion se passe, mai 68 se passe quand Eugène Ojaleux, qui dirige donc l'INSERM, est à Genève, à une réunion de l'OMS. Et la situation est décrite par le directeur scientifique de l'INSERM, Jean-Pierre Bader. Entre guillemets, donc je le cite, les troupes de notre ami Lazare. Alors Philippe Lazare était à l'époque l'un des leaders syndicaux, jeune chercheur, polytechnicien, il présidera plus tard l'INSERM. Donc les troupes de notre ami Lazare occupaient mon bureau, tandis que celui de Eugène Ojaleux tenait lieu d'une sorte de salle de conseil d'administration permanent. Je faisais la navette entre les deux. Les syndicats élaboraient une réforme des structures de l'INSERM et en cas de décision importante, je joignais directement le ministre, Maurice Schumann, au téléphone, qui me répondait invariablement
écoutez, mon petit vieux, faites pour le mieux, je compte sur vous. Ojaleux, à son retour, constate une situation qu'il n'apprécie guère, je le cite, « mes révolutionnaires occupaient mon bureau. Ils étaient en grève, mais ils téléphonaient partout. » Pour François Kourilski, autre figure majeure de ce mouvement qui lui aussi occupera d'éminentes fonctions dans la recherche française, qui se décrira lui-même, non sans coquetterie, comme faisant partie d'une bande de furieux. La perspective est quelque peu différente. Ils ouvrent des négociations, il y a des revendications assez fortes de partage de la décision. Finalement, ce mouvement n'est pas aussi furieux que cela. Les négociations se passent assez bien. Et le 26 mai, après une assemblée générale, le 26 mai 1968, ce qui est quand même très tard dans le mouvement, hein, ils ont commencé à bouger un peu tardivement, eh bien, un protocole d'accord est accepté le 12 juin. Et en fait, il va constituer la base d'une sorte de gestion paritaire de l'INSERM, gestion scientifique que l'on retrouve hein, globalement dans le système de recherche française. Mais la spécificité de l'INSERM dans ce domaine, c'est vraiment la mise au grand jour hein, de cette tension entre les hospitaliers, les mandarins et les chercheurs. Les choses vont évoluer. Ce sera le deuxième point sur lequel je veux appuyer pour cette évolution de l'INSERM pour les années qui nous concernent, avec la nomination en octobre 1969 de Constant Burg. Constant Burg succède à Ojaleux du côté du gouvernement. On avait assez peu apprécié une certaine nonchalance peut-être d'Ojaleux vis-à-vis des rebelles il avait été critiqué, il est donc remplacé quelques mois après l'élection de Georges Pompidou à la direction, donc il est nommé à la direction générale de l'INSERM. Il est présenté comme, par certains, comme un homme dur comme du béton qui serait en quelque sorte chargé de remettre l'INSERM au pas après les excès de 1968. Ce qui est vrai, c'est que cet homme avait un véritable tempérament. Il avait été enrôlé de force par les Allemands en novembre 1942. Il était parvenu, après deux tentatives, à gagner à la Suisse. Interné par les autorités helvétiques, il s'échappe à nouveau et rejoint les maquisards de Haute-Savoie, avec lesquels il combattra jusqu'à la libération. Donc, c'est vraiment cette génération hein, qui arrive aux plus hautes responsabilités. L'INSERM n'est pas en odeur de sainteté, puisqu'en 1969, aucun poste de chercheur n'a été mis au concours, ce qui tranche par rapport à l'augmentation des moyens tels que cela avait été. Donc, Burg va mener un travail colossal pour organiser cette recherche, pour organiser son financement, pour organiser l'évaluation des chercheurs. Alors, pour l'organisation de la recherche, il va tenter de mettre en place une balance, c'est toujours l'enjeu actuel, que ce soit à l'INSERM ou au CNRS, entre une recherche orientée, programmée et une recherche libre. Comment trouver le bon équilibre entre les initiatives des chercheurs et ce que souhaite les instances, ce que souhaite le gouvernement et ce que souhaite, par exemple, hein, à cette époque, des GRST. Constant Burg va doter l'Institut d'une véritable politique scientifique structurée autour de deux grands axes. Donc, cette politique sera de manière imagée présentée sous l'appellation de politique de l'humus. Politique de l'humus, donner à toutes les formations de recherche existantes des moyens et les politiques d'objectifs concrétisées par ce qu'on appellera les ATP, les actions thématiques programmées. Donc, ceux qui suivent un peu le monde de la recherche aujourd'hui constateront que les débats n'ont guère changé. Comment assurer des moyens récurrents au labo tout en conservant leur dynamisme? Bon, c'est quelque chose. Il y a aussi chez Constant Burg la volonté de permettre une émancipation des chercheurs de la direction des labos. Hein? Il y a là un enjeu très clair, il le dit, il l'écrit, je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais c'est quelque chose de clair. Donc, le mouvement de 68 avait révélé aussi de véritables problèmes en termes de fonctionnalité pour la recherche. Ce qui pose également problème, c'est de structurer l'administration. Qui va travailler dans les bureaux? Qui va faire les comptes? Qui va organiser cette recherche? Qui va organiser l'évaluation?
Et donc, il y a alors un travail invisible, ingrat, que fait Constant Bur, qui aboutira à la mise en place de services, de structuration de cette recherche. Cela succède aux années un peu poétiques de la seconde moitié des années 60, où l'INSERM était géré un petit peu comme chacun le voulait. Enfin, l'argent était distribué, on voyait. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez souple. Là, il met les choses au point. Et d'ailleurs, c'est un élément clair de cette structuration. C'est en juin 1974 que l'INSERM emménage dans ses locaux, qui sont toujours ses locaux, au 101 rue de Tolbiac. Il y a aussi, mais je passe rapidement, une politique de communication qui est importante. Voici le portrait de, donc les portraits d'Eugène Ojaleux et de Constant Burg. Voilà, j'en étais là. Voilà donc une politique de communication de manière à rendre visible cet INSERM, à le développer des publications qui soient plus accessibles, donner des lignes, des points de repère à la communauté de recherche et à la communauté administrative. Bien, je ne sais, il me reste peu de temps, je vais avancer. Autre enjeu, équilibrer les budgets en matière d'équipement et en matière de moyens humains. Ce que constatent Burg et ses équipes, c'est qu'au cours des années 70, dès la première moitié des années 70, eh bien, les moyens techniques, les équipements, on a vu cela dans un récent colloque sur l'imagerie médicale au sein du comité pour l'histoire de l'INSERM, eh bien, ces moyens sont de plus en plus importants. Alors, les résultats seront présents, on en verra toutes les conséquences beaucoup plus tard. Les temporalités de la recherche dans le domaine de biomédical et dans la médecine sont des temporalités longues, parce que pour les applications, évidemment, il faut de nombreux tests, c'est très très long. Il y a toujours un extrême décalage, beaucoup plus que dans d'autres domaines, entre une avancée scientifique et son application. Alors, on mettra au centre, bien sûr, Jean Dausset, dont on a vu le rôle de structuration de la recherche, mais également son prix Nobel de 1980 sur des questions de génomique et d'immunologie, je ne développerai pas. Des mandarins vont jouer aussi toujours un rôle important au sein de l'INSERM, comme Jean Burger, l'INSERM, l'unité U25, le rein artificiel, puis les transplantations du rein, l'immunologie. Également, Georges Matté, dans le domaine de la cancérologie, l'immunothérapie, les greffes de moelle osseuse. Donc, je cite que quelques exemples, il y en a d'autres, bien sûr, mais ce sont ceux aussi qui sont importants pour l'opinion et qui rend la recherche biomédicale, ces grandes avancées, très visibles pour l'opinion. Alors, ces réussites s'expliquent par peut-être ce bon équilibre un peu informel trouvé, mais s'expliquent aussi par la capacité, malgré la structuration que donne l'INSERM, malgré le développement des sources de financement, de certains grands patrons, de certains chercheurs, à avoir un accès direct à des sources de financement. Et c'est une autre spécificité de la recherche biomédicale que l'on retrouve de nos jours à travers des fondations, à travers l'appel aux dons publics, etc., ou à travers des financements obtenus de manière directe ou indirecte. Alors, je citerai avant d'en arriver à ma conclusion, Georges Matté. En 1975, il se lance dans une recherche de fonds et il a quelques problèmes parce que la donne politique a changé en 1974 et il explique, critiquant l'influence excessive des physiciens dans le monde de la recherche. Je cite, « J'ai toujours été gaulliste. Pompidou n'était pas un homme de science, mais quand j'étais à la délégation générale à la recherche scientifique et technique, et lui à Matignon, il nous donnait toujours exactement ce que je lui demandais. » Donc, la bonne relation avec Georges Pompidou n'est plus la même avec Valéry Giscard d'Estaing. Et ce ne sera qu'en passant, alors je ne sais pas l'origine exacte de cet élément, par l'influence du roi du Maroc, qu'il arrivera à convaincre à revenir en cours auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Ce sont des choses que je n'ai pas été vérifiées directement, mais qui vous montrent bien qu'il y a différentes choses. Alors, je conclue pour dire que vous voyez à quel point ces années
Pompidou, pour les nommer traditionnellement dans ce qui nous réunit, sont une période à la fois de fortes mutations de ce monde, de fortes tensions. Les premiers résultats apparaissent, mais ce qu'il faut retenir, c'est peut-être plus cette capacité de l'INSERM à capter ces évolutions, à les concrétiser à les organiser. Ces tensions déboucheront progressivement, après une forme de continuité au cours des années du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, qui en ce domaine respectera une forme de continuité dans le domaine de la recherche, qui sera moins soutenue financièrement proportionnellement, la croissance sera moins forte mais restera forte. Le grand changement interviendra plus tard, à partir de 1981, avec l'accession à la direction de l'INSERM de Philippe Lazard, un polytechnicien qui lui fera pencher d'une certaine manière, en caricaturant un petit peu les choses, le pouvoir du côté des non-médecins, et ce sera une nouvelle période qui s'ouvrira pour l'INSERM. Vous voyez à quel point celle qui nous intéresse est celle d'un un dialogue difficile, souvent conflictuel, entre ces nouveaux chercheurs jeunes et puis les mandarins qui avaient quand même quelques bons résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal Griset, qui a bien montré comment la naissance, d'abord l'INSERM n'est pas né de rien. L'INH avec aussi la multiplicité de toutes les institutions dès l'après-guerre, ce qui est quand même important, c'est une espèce d'effervescence, mais comment effectivement l'INSERM s'est imposé à partir de sa création en 1964, non sans mal, car les institutions, j'allais dire, entre guillemets, traditionnelles, comme les académiciens, comme le CNRS, évidemment, chaque fois qu'il y a une institution nouvelle qui se crée, les anciennes institutions se sont dépossédées, en quelque sorte, d'un pouvoir. Vous avez bien montré également le rôle des acteurs, qui est très important. La dichotomie, effectivement, entre les médecins-chercheurs et les chercheurs non-médecins, qui est importante aussi. Et surtout, le rôle, l'impact, si je puis dire, de mai 68, qui, même si la rébellion a été relativement tardive quand même, parce que fin mai, il a fallu attendre un petit peu, même si la rébellion a été tardive, a été essentiellement dirigée contre le règne de ces mandarins. Et comment aussi l'INSERM a été le lieu des innovations. Ça, je crois que c'est très important. Le lieu des innovations, mais les innovations exigent finalement beaucoup d'argent, des fonds. Donc, il faut trouver un budget, d'où le rôle de l'État. J'ai oublié aussi de dire qu'on aborde déjà le problème des relations, puisque vous avez bien souligné le rôle des États-Unis dans la naissance de l'INSERM et aussi effectivement, une espèce d'impulsion sur la recherche médicale. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Luc Berguivet, qui est chercheur au CNRS et qui enseigne à l'EHESS. Luc Berguivet a longtemps travaillé donc, sur la socio-histoire de la santé publique en France et depuis plusieurs années... Il étudie donc les problématisations de l'hérédité humaine depuis la fin du 19e siècle à la croisée de l'eugénisme, de la génétique et des sciences de population. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un thème également très important, là aussi, qui est, suscite bien des conflits également, c'est-à-dire comment concilier la recherche et l'expertise. La santé publique en France, donc des années 1950 au milieu de 1970, et il va revenir d'ailleurs sur l'INH. Je vous donne la parole. Merci. Merci Madame la Présidente. Je tiens à, avant tout, vous m'entendez correctement? Oui. C'est bon. Vous voulez que j'utilise l'autre micro, c'est bien ça? Non. Très bien. Remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir offert l'occasion de revenir sur une série de recherches que j'ai débutées il y a désormais assez longtemps. Et je commencerai par rappeler en quelque sorte que la période couverte par le mandat présidentiel écourté de Georges Pompidou correspond à un moment important de l'histoire de la santé publique en France, une période charnière, pourrait-on dire,
dans l'essor des savoirs sur la santé des populations, qui est marqué par un dynamisme dans le domaine de la recherche, largement oublié aujourd'hui et dont on pourrait dire qu'il a été invisibilisé. Il faudrait discuter la question de caractère actif et intentionnel de cette invisibilisation. À l'INSERM, connu presque exclusivement pour son investissement dans le domaine de la biomédecine, mais qui a hérité de l'Institut national d'hygiène, on l'a dit, une compétence en matière d'hygiène publique, précisément, bientôt rebaptisée santé publique. À l'INSERM, deux grands types de travaux sont menés, des années 70. En premier lieu, une série d'investigations visant à objectiver un ensemble de problèmes sanitaires, comme la prévalence de maladies dites sociales, le terme encore utilisé parfois, tuberculose, alcoolisme, syphilis, et dont la tradition remonte à la fondation de l'INH, sous l'origine de Vichy, on l'a rappelé. Des études qui relèvent dans une large mesure de la statistique descriptive, même si, au fil du temps, des innovations méthodologiques ont été introduites, comme en témoignent, par exemple, les recherches menées dans une ville de la banlieue parisienne à partir de 1969 pour évaluer les besoins de santé des Français sur la base d'une enquête pluriannuelle incluant un volet économique et sociologique. Et parallèlement, s'est développé à partir du milieu des années 1950, au sein de ce qui est encore l'INH, donc un second type d'investigation rattaché également à la santé publique, quoique plus détaché des préoccupations relatives à la production d'une expertise dans ce domaine, et donc ce simple fait, en quelque sorte, mieux adapté, du fait de cette distance, à l'expertise, de la distance à l'expertise, pardon, mieux adapté aux exigences de la recherche biomédicale. Et là, je veux parler de l'épidémiologie, mais d'une épidémiologie qui a délaissé les maladies infectieuses transmissibles pour se focaliser sur l'étiologie des maladies dites chroniques dégénératives, telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires, et qui s'appuie sur les outils de la statistique inférentielle, bien plus que sur la statistique descriptive. Ce à quoi l'on assiste à partir du milieu des années 70, c'est-à-dire dans la période qui suit immédiatement le décès prématuré de Georges Pompidou, c'est à la disparition programmée du premier type d'investigation au profit du second, au profit tout relatif, exactement, qui n'a pas été recherché dans la mesure où l'objectif des épidémiologistes français, je vais préciser de qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, n'était pas véritablement de supplanter les premiers, en tout cas pas de les faire disparaître du champ de la santé publique. Ils n'avaient pas demandé cela, en quelque sorte. Alors, l'objet de ma présentation aujourd'hui, donc vous voyez qu'elle s'organisera autour de trois parties. Mon objectif, donc, est de revenir sur ce moment particulier que je viens de caractériser de manière sommaire, en m'efforçant de préciser en quoi, pourquoi, il marque une inflexion importante dans la trajectoire historique de la santé publique et plus particulièrement de la recherche française en ce domaine. Ce qui implique de s'interroger sur les interrelations, le rapport relatif entre, d'une part, la recherche biomédicale et, de l'autre, l'étude de la santé des populations en France, de la fin des années 1940 à la fin des années 1970, en soulevant la question de l'évolution du rapport entre recherche scientifique et expertise, la question du fondamental qui a déjà été évoqué, et en particulier de l'expertise en santé publique au cours de cette période. Alors, pour ce faire, je commencerai par rappeler l'importance de l'hygiène publique dans les missions de l'INH à ses créations en novembre 1941 par le gouvernement de Vichy, mais autour d'équipes de recherche financées de longue date et inspirées par les méthodes de la Fondation Rockefeller. Alors, je ne reviens pas ici sur ce moment bien étudié par Jean-François Picard, Pascal Griset en a parlé également, et d'autres l'ont étudié. Alors, l'Institut s'organise autour de deux types de pratiques. D'une part, les études de laboratoire, notamment dans les domaines de la radiobiologie et de la physiobiologie. Le premier directeur de l'INH, André Chevalier, dont il a déjà été question, qui très bien introduit même l'un des principaux relais de la Fondation Rockefeller en France, est un spécialiste des questions d'alimentation, de nutrition, qui a mené des recherches pionnières sur les vitamines et donc qui ne désarticule pas, si on peut dire, ne dissocie pas nécessairement laboratoire et recherche appliquée, quoi, en quelque sorte, pour les vitamines. Et de l'autre, des enquêtes
le plus souvent de type statistique, sur ce que l'on désigne alors sous le vocable de maladie sociale. J'ai déjà nommé la syphilis, l'alcoolisme et la tuberculose, accusées par le régime de Vichy d'avoir joué un rôle essentiel dans l'affaiblissement, la décadence de la France, mais dont l'incrimination est bien plus ancienne. Le fléau social est problématisé dans la deuxième partie du XIXe siècle, et la catégorie de maladie sociale, par contre, n'est en rien figée. Elle ne cesse au contraire de se transformer, ce qu'on oublie parfois, en incorporant notamment certaines pathologies émergentes, comme les cancers. Et l'INIH intègre dès sa création une section, un bureau, si vous préférez, dédié spécifiquement aux statistiques sanitaires, à l'étude des causes de décès, en particulier ce type de thématique. Alors, l'institution va évoluer dans les années qui suivent la libération, sous l'impulsion du successeur d'André Chevalier, Louis Bignard, qui est un biophysicien qui a mené des expériences, donc a voyagé en Angleterre dans les années 30 et souhaite voir se développer en France une recherche biomédicale du type de celle qui a vu le jour aux États-Unis, grâce notamment au soutien de la fondation Rockefeller, l'URL, mais a également pris pied en Grande-Bretagne. Et ça, le modèle américain est d'une grande importance, mais il ne faut pas non plus oublier l'existence en Grande-Bretagne d'un Medical Research Council qui veut aussi, par certains côtés, faire figure de modèle, ne serait-ce que parce qu'il a une taille bien plus modeste que les institutions américaines et paraît, par certains côtés, plus facile à émuler. Lorsque le plan Bugnard consiste à créer un nombre d'unités de recherche au fil des années qui correspond exactement au nombre existant des research units du MRC à l'époque où il établit son plan. Donc on voit bien que la compétition, l'émulation avec les États-Unis, mais aussi avec certains pays européens. Et donc, pour ce faire, pour mener à bien ce plan, Bugnard va encourager la création d'unités de recherche localisées, et c'est important, dans les principaux pôles hospitalo-universitaires. Mais ce n'est pas pour autant que l'INH peut se permettre de délaisser l'hygiène publique, qui constitue une de ses missions centrales, une activité importante également aux yeux du ministère de la Population, bientôt renommé ministère de la Santé publique et de la Population, lequel dépend étroitement des connaissances, des statistiques en particulier, produites par les différentes sections de l'Institut. Donc, même si les promoteurs français de la biomédecine, Bugnard en premier chef, auraient probablement préféré consacrer la totalité des ressources financières et humaines de l'institution à la création et au développement de leurs chères unités de recherche, ils n'en sont pas moins contraints par les spécificités de l'institution, de cette institution très singulière finalement qu'est l'INH. Alors, de fait, le nombre de sections de santé publique ne cesse de croître entre la fin des années 40 et le milieu des années 70, y compris donc après la transformation de l'INH en INSERM, survenue, on l'a dit, en 1964. Et les sections créées originellement étaient au nombre de 4, nutrition, hygiène, maladies sociales, épidémiologie, à quoi s'ajoutait un centre de statistiques médicales déjà cité, partiellement indépendant au moins de l'épidémiologie. Or, on en compte 11 en 1974. Eh bien, un développement de la recherche en santé publique à l'INH puis à l'INSERM. Et cette multiplication résulte pour une part d'un phénomène de sissiparité. C'est simple, la section des maladies sociales va se démembrer, si l'on peut dire ainsi, en une série de sections spécifiquement dédiées à l'alcoolisme, la tuberculose, le cancer, les maladies cardiovasculaire, mais elle traduit également l'importance que prennent des problématiques nouvelles comme la santé mentale ou la question déjà évoquée des besoins de santé, de leur évaluation, du rapport au système de soins. Alors, vous voyez à l'écran la liste des sections actives à cette date, la section qui était dédiée à la santé mentale, renommée section de psychiatrie un peu plus tard, vient en 1974, vient tout juste d'être transformée en unité de recherche et n'apparaît donc plus sur la liste des composantes de la DRMS. Alors, l'ensemble de ces sections, qui emploient un nombre limité de chercheurs, épaulés par une grande diversité de techniciens, il y a un monde social très ramifié avec des spécialistes de la mécanographie, des cartes perforées, des ordinateurs de l'époque, bien sûr, mais aussi de la méthodologie et de la logistique des enquêtes statistiques. Toutes ces sections sont regroupées depuis la fin des années 50
au sein d'une direction de la recherche médico-sociale hébergée depuis 1961 au Vésinet, sur le site de l'établissement national des convalescents du Vésinet, c'est l'ancien asile impérial, soit à l'écart, bien loin des grands pôles hospitalo-universitaires que les directeurs généraux successifs de l'INSERM entendent développer et valoriser, Saint-Louis, Cochin, La Pitié, Port-Royal. La polarisation entre biomédecine d'une part et santé publique de l'autre, biomédecine, qu'elle soit recherche clinique ou recherche de laboratoire, je ne rentre pas dans cette distinction qui est extrêmement importante, mais que je ne peux pas prendre en compte dans mon propos faute de temps, où la polarisation entre biomédecine et santé publique prend une dimension géographique. Elle recouvre également une dimension genrée. 7 des directeurs listés sur ce tableau sont en réalité des directrices, ce qui constitue une singularité notable dans le milieu de la recherche française, a fortiori à cette époque. Les dames du Vésinet, c'est une formule que plusieurs anciennes directrices de sections m'ont dit avoir entendu prononcer par les dirigeants de l'INSERM et des mandarins à leur propos. C'est une formule dépréciative qui associe une caractéristique de genre, un jugement critique global, qui varie un peu selon la, visant non seulement les activités de la DRMS, ce qu'on y fait, les pratiques, mais jusqu'aux thématiques mêmes auxquelles se consacrent les différentes sections. Des préoccupations de santé publique qui jurent de plus en plus, qui font tâche, si vous voulez, du fait de leur problématisation même, avec les questions, les approches, les pratiques de recherche valorisées au sein de la recherche biomédicale que défend l'INSERM, sa direction en particulier. Constant Bure, qui dirige l'organisme à l'époque, décrit souvent le travail effectué au sein de la DRMS comme relevant de la routine, des enquêtes de routine. Alors, ça traduit le jugement toujours plus négatif qu'il porte sur ses activités, mais également la manière dont les enquêtes statistiques dites descriptives, qu'elles portent sur l'analyse secondaire des causes de décès ou qu'elles aient été menées en population générale pour évaluer justement des besoins ou trouver des indicateurs en quelque sorte permettant d'évaluer des besoins, la manière dont toutes ces activités de recherche sont perçues par Burg, mais aussi avec lui la quasi-totalité des sites hospitalo-universitaires de l'époque. Et d'autant qu'à cette différence marquée en termes de pratiques de recherche, de méthodes, enquêtes statistiques versus études de laboratoire et ou recherche clinique, à cela s'ajoute ce hiatus, une autre disparité en matière de stratégie de publication, pour aller vite. Les membres des sections écrivent principalement des rapports, mais aussi certes des articles, simplement en français essentiellement, qu'ils publient ensuite sous forme de monographies, donc, ou dans les recueils de travaux de l'INH, puis de l'INSERM. Tandis que les chercheurs des unités biomédicales sont déjà incités, et vont l'être de plus en plus au fil et à mesure que le temps passe, à publier des articles de plus en plus brefs. Les revues sont surchargées de demandes, enfin de propositions de publication et réduisent la taille drastiquement des articles. C'est très important à tenir en tête. Et des articles, si possible, en anglais, dans des revues anglophones. Alors, l'ambition des chercheurs regroupés au sein de la DRMS, la demande qui leur est faite et qui traduit bien la formule médico-sociale dans son intitulé, et d'articuler aussi étroitement que possible, et ça ne va pas de soi, investigation scientifique et expertise. Et cet aspect est d'autant plus crucial que la France ne dispose pas d'écoles de santé publique comparables à celles qui prospèrent depuis déjà des décennies aux États-Unis, Johns Hopkins, Harvard, etc., ou en Grande-Bretagne. La London School of Hygiene and Tropical Medicine, par exemple. En France, l'École nationale de santé publique, fondée en 1945, ne joue aucunement ce rôle de pôle d'enseignement et de recherche. Et l'effort de recherche, d'investigation en santé des populations repose dans une très large mesure sur les sections de l'INH, devenues donc INSERM en 1964. L'ambition des chercheurs travaillant au sein des unités consiste, au contraire, à se distancier des enjeux administratifs et politiques pour adopter une approche scientifique de type biomédical, souvent qualifiée, en tout cas l'idéal étant cette recherche fondamentale,
Et la distanciation donc, est fortement valorisée dans leur milieu. On pourra y revenir. Alors, cette distanciation, c'est vrai, donc, y compris d'un petit groupe de chercheurs formés à la statistique inférentielle qui vont développer en France une épidémiologie d'un genre nouveau, très différente de celle qui est pratiquée à la même époque au sein des sections de santé publique, une épidémiologie analytique qui s'efforce de satisfaire aux exigences prévalentes au sein de la recherche biomédicale, qui essaie de se faire une place, pour simplifier, à l'INSERM. Pardonnez-moi. Ce groupe d'épidémiologistes des maladies non infectieuses est parfois désigné sous le nom d'école de Villejuif, hein, du fait de son inscription au sein de l'Institut Gustave Roussy, l'un des principaux pôles français de cancérologie localisé à Villejuif, à l'Institut, initialement à l'Institut, à l'hôpital Paul Brousse, pardon. Et ce groupe évolue de fait à bonne distance, y compris donc géographique, mais aussi institutionnelle, de la DRMS. Il n'est pas rattaché. Sa figure tutélaire, son fondateur, est Daniel Schwartz, un polytechnicien, ingénieur des tabacs. Il a rejoint le CETA à la sortie de l'IX en 1939. C'est son application, en quelque sorte. Et il y travaillera plusieurs années durant sur les maladies affectant la plante de tabac, en s'intéressant notamment à la résistance génétique des différentes variétés végétales. Sa reconversion dans la recherche médicale est facilitée par son oncle, Robert Debré, même si ses espoirs d'intégrer un groupe de généticiens médicaux dirigé par Robert Lamy, un proche de l'oncle Robert, comme il aimait appeler Robert Debré, sont finalement déçus. Et c'est seulement en 1954 que Schwartz est recruté par Pierre Denoy, chirurgien et cancérologue éminent, figure de l'Institut Gustave Roussy, pour mettre sur pied une enquête statistique de type cas témoin sur l'étiologie du cancer du poumon. Il s'agit de reproduire, en fait, sur une population française, deux malades suivis à l'IGR, l'étude britannique publiée en 1950 par Bradford Hill et Richard Dole, qui avait mis en évidence le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Est-ce que ça vaut aussi pour les Français? Question qui se pose dans tout un tas de pays à la même époque. Et c'est ainsi donc qu'un ingénieur du CETA, spécialiste des maladies affectant la plante des tabacs, se fait connaître du milieu médical français puis international par sa contribution décisive à une série de travaux mettant en évidence le rôle du tabac dans un nombre important de maladies affectant l'être humain. Renversement quand même assez drastique. Alors, Schwartz s'intègre fort bien à l'IGR où il est nommé en 1956 directeur d'un service de statistiques médicales créé spécialement pour lui, service qui devient en 1959 l'unité 21 de l'INH, spécialisée dans la recherche statistique. Et alors les premiers chercheurs recrutés sont presque tous polytechniciens. On compte initialement seulement deux médecins dans l'effectif de l'unité de statistiques médicales de Villejuif. Et Schwartz prend modèle sur la Statistical Research Unit du Medical Research Council britannique, dirigé par Bradford Hill puis par Richard Dole, et structure son groupe autour de trois axes complémentaires. Une équipe prend en charge les enquêtes épidémiologiques, une autre développe la méthodologie des essais cliniques dits randomisés, par tirage au sort, en lien avec des cliniciens. Enfin, un dernier axe, une dernière équipe, a pour spécialité les techniques statistiques spécifiques très particulières, applicables, utilisables pour analyser les travaux de laboratoire. Il s'agit d'aider, donc de se rendre utile aux biochimistes et à certains biophysiciens, par exemple, en les aidant à analyser de manière plus rigoureuse leurs données expérimentales ou observationnelles. C'est un champ qui se développe aussi, la statistique inférentielle, depuis l'entre-deux-guerres. Alors, si l'on regarde un peu plus précisément la contribution de l'unité 21 aux études épidémiologiques, on observe à la fois une diversification thématique rapide et une forte spécificité méthodologique. Le groupe de Villejuif, ou l'école Schwartz, comme on l'appellera également, étend graduellement le périmètre de son activité à l'ensemble des cancers, aux maladies cardiovasculaires, etc., en privilégiant à chaque fois une méthode d'enquête déjà pratiquée par les épidémiologistes britanniques et états-uniens que j'ai nommés, l'étude dite cas témoins. Et leurs travaux sont de type étiologique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'identifier avant tout l'origine des maladies en évaluant le risque relatif, en évaluant le risque relatif associé à telle ou telle pratique sociale, fumer, boire, avoir tel type d'alimentation,
en calculant ce que les statisticiens appellent l'odds ratio. On pourra revenir si vous le souhaitez. Ces études donnent systématiquement lieu à des publications. C'est un point auquel Schwartz est d'emblée attentif, si possible, dans des revues anglophones. Et du fait de toutes ces caractéristiques, hein, thématiques, méthodologiques, approches, distance aux enjeux de santé publique, thématiques, méthodologiques, en termes de publication des résultats, l'épidémiologie statistique ou la statistique médicale de l'unité 21 est bien mieux adaptée aux exigences de la recherche biomédicale que ne le sont les enquêtes statistiques des sections de santé publique. Alors, l'école de Villejuif va ainsi se faire une place à l'INH et bientôt à l'INSERM, en dépit, malgré tout, de certaines réticences ou même résistances de quelques mandarins de la biomédecine française qui considèrent qu'aussi utile qu'elle puisse être, la statistique médicale ne constitue jamais qu'une science appliquée. Elle ne peut rien proposer d'aussi fondamental que la biophysique, la biochimie ou la biologie moléculaire. Et surtout, très important, l'école de Villejuif ne vise pas nécessairement à supplanter la DRMS, à la remplacer, même si les polytechniciens et les quelques médecins formés par Schwartz n'éprouvent pas toujours une grande estime pour certains au moins, ou certaines au moins, pardon, des enquêtes menées au sein des sections de santé publique et jugent parfois, souvent, bancales sur le plan méthodologique. Il est vrai aussi qu'il y a des rivalités, des tensions qui se font par chaque jour, mais il n'en reste pas moins que les collaborations entre Villejuif et le Vésinet voient également le jour, ne serait-ce que parce que deux jeunes chercheurs formés par Schwartz vont trouver un premier emploi scientifique au sein de différentes sections de santé publique, qui sont nombreuses, qui constituent une forme de débouché. Pierre Ducimetière en cardiologie, Claude Rumeau-Rouquette en périnatalité, etc. Et lorsque Constant Burg entreprend de démanteler la DRMS, j'en arrive à ma conclusion, hein, je suis un peu long, j'en suis désolé. Schwartz et certains de ses proches, comme Philippe Blaza, dont il a déjà été question, polytechnicien comme lui, vont tenter de s'y opposer, proposant au contraire une transformation et une réorganisation de la recherche française en santé publique. Le projet de Burg, qui est longtemps tenu secret et qui traduit l'exaspération croissante des hiérarches de la biomédecine vis-à-vis de la santé publique, du fardeau qu'elle constituerait pour l'INSERM. Voilà. Alors, au moment de la transformation de l'INH en INSERM, déjà, des tentatives pour redimensionner à la baisse la part de la santé publique avaient vu le jour, mais elles avaient à choper sur la protection statutaire juridique dont bénéficiaient les sections de santé publique et sur la vigilance du ministère de la Santé, désireux au moins à l'époque de ne pas perdre sa principale source de connaissances sur l'état de santé de la population française. Et en décembre 1976, alors même que Burg a déjà ourdi son plan de démembrement, le conseil scientifique de l'INSERM adopte encore une résolution rappelant la nécessité de maintenir une activité de recherche en santé publique au sein de l'institution. Le directeur général va donc, instruit de ses réticences, va donc négocier en secret avec le cabinet de la ministre, Simone Veil, et parvenir à convaincre ses conseillers de l'opportunité historique unique que représente le départ en retraite à brève échéance de plusieurs responsables de la DRMS, dont sa directrice, très, très respectée, Lucie Laporte, pour amender discrètement le statut juridique des sections et les transformer en services techniques ou en unités de recherche, selon le cas. Ce que fait miroiter Constant Burg à l'entourage de Simone Veil dans une série de notes confidentielles, c'est la perspective de moderniser l'INSERM, sans pour autant que cela se traduise par une réduction drastique des capacités de la recherche française en santé publique. Après tout, les sections les plus dynamiques vont être transformées en unités de recherche. Et puis, il y a également le groupe constitué autour de Schwartz, que le secrétaire général monte systématiquement en épingle. Et il se charge, va se charger de faire écrire par un de ses proches un rapport très critique envers la DRMS. Il en livre d'ailleurs les conclusions avant même que le rapport n'ait été commandé. Et la fermeture de la DRMS est actée par le cabinet de Simone Veil et effectivement mise en œuvre en 1976. Voilà, alors j'arrive, voilà, bon, et je conclurai là-dessus. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que, au lieu de se réjouir en quelque sorte de la perte de ce qui pouvait, de la disparition de ceux qui pouvaient être considérés comme leurs concurrents,
les membres des unités de recherche, de l'unité de recherche de Daniel Schwartz et de celle qui s'était créée par démembrement de cette unité initiale, vont au contraire développer l'idée de maintenir une recherche en santé publique, de faire du Vésinet un campus de recherche et d'enseignement, avec l'idée de maintenir une capacité de recherche non totalement déconnectée de considérations liées à la production d'une expertise pertinente en matière de santé publique. Et la proposition, le fait que la proposition de Lazare de créer un campus de ce type n'ait pas été retenue, a eu des conséquences qui sont, reviennent et qui sont explicitées régulièrement lorsque, par exemple, le sida apparaît, puis des tentatives pour créer une veille sanitaire qui existait déjà d'une certaine manière à l'INH, puis à l'INSERM, sont faites, que la canicule de 2003 interroge sur le point de savoir comment on n'a pas identifié par des indicateurs la montée de la mortalité ou plus récemment à propos de la pandémie de Covid. Voilà, et je vous demande pardon d'avoir été un peu long. Je vous rassure, vous aurez l'occasion de développer tous ces thèmes dans la publication qui va suivre ce colloque, et vous avez effectivement bien montré le rapport entre la DRMS et le groupe Schwartz, par exemple, les enjeux, en quelque sorte, de cette recherche médicale et justement les enjeux entre l'expertise et, au contraire, les politiques de santé publique et les préoccupations, là aussi, de ce qu'on appelle les maladies sociales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le groupe Schwartz, il y a cette interrogation sur le rôle du tabac qui n'a pas été trop développé hier quand on a parlé des politiques environnementales. On n'avait pas encore totalement conscience, si je puis dire, de ces problèmes de tabac et des cancers du poumon. Et là, vous avez bien montré comment c'était déjà posé dans le groupe Schwartz et comment la recherche là, a en quelque sorte anticipé les préoccupations qui vont suivre. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle de la temporalité qu'on a vu avec Pascal Griset et votre communication, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuum. Alors, certes, il y a des temps forts, mais on sent que le socle a été posé dès l'après-guerre, dès la 4e République. Alors évidemment, là, il faudrait reparler des institutions. Alors Pascal n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin, dans les années 50, il y a des choses qui se sont faites, ne serait-ce que le développement de la communication, et c'était pour en arriver à cette conclusion. C'est vrai que la 5e République a donné effectivement cette ampleur, ne serait-ce qu'avec la loi Debré de 58, avec la création de l'INSERM en 64, avec le développement des laboratoires, je suis bien d'accord. Mais il faut quand même voir que le socle était posé. Donc, est-ce que vous aurez quelques questions à poser dans les 5 minutes qui vont suivre? C'est toujours compliqué, effectivement, de poser la première. Ah, pardon, oui. Merci pour vos deux interventions qui m'ont beaucoup intéressé. J'avais une question que finalement vous avez abordé tous les deux et que moi j'avais aussi rencontré quand j'avais regardé un peu de manière prosopographique, mais j'ai jamais eu le temps de finir et puis le Covid quoi, qui empêche de faire des travaux mégalomanes, les dossiers de carrière des boursiers au tout début de l'INH. Et ce qui m'avait moins intéressé d'un point de vue, je dirais, sociologie du travail, c'est que l'INH a quand même quelque chose qui est étonnant, une espèce de pyramide inversée en termes de genre, c'est-à-dire que plus on monte, plus il y a de femmes, alors que partout ailleurs dans l'enseignement supérieur et la recherche, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Alors je pense que maintenant, dans l'INSERM, c'est normalisé de ce point, enfin normalisé entre beaucoup de guillemets, je ne dis pas du tout que c'est bien, mais là-dessus, il n'y a plus cette originalité du début. Et je me demandais quand est-ce que ça s'était joué, parce que moi, j'ai juste eu le temps de regarder le début des années 50, au moment, tout début, quoi. Donc, quand est-ce que ça s'était, entre beaucoup de guillemets, normalisé, et est-ce que c'était lié à ce que tu disais, Luc, sur finalement le recul de tout ce qui va être santé publique,
Et est-ce que ce n'est pas aussi une masculinisation globale de la chose? Après, en regardant dans les dossiers, on voit aussi que les bourses INH au début sont assez souvent considérées comme des bourses pour madame parce qu'elles ne rapportent pas assez et que c'est monsieur qui est interne à l'hôpital et qui rapportera, enfin, qui aura un gros salaire. Là aussi, je parle du début, hein, je n'ai pas du tout pu regarder après. Mais donc, je me demandais si on avait d'un point de vue structure de la population qui travaille à l'INH puis INSERM, il y avait des choses de ce genre-là ou s'il faudrait l'éclaircir. Merci de cette question. Et effectivement, c'est tout à fait frappant. Cela tient en partie à des choses que tu as évoquées, mais c'est dans un contexte général de relégation relative, ou en tout cas de moindre légitimité des activités justement d'investigation en santé publique. Ce ne sont pas les domaines dans lesquels les jeunes médecins ambitieux, mâles, si on peut dire, vont nécessairement s'investir. Il y a d'autres considérations qui sont en partie au moins liées à cette relégation, ne serait-ce que symbolique, relative de la santé publique, qui tiennent aussi à la féminisation, par exemple, du corps des inspecteurs, des médecins inspecteurs. Plusieurs de ces femmes qui vont accéder à devenir des chercheuses et accéder à des tâches de responsabilité jusqu'à diriger des sections, sont membres de ce corps, ou en tout cas l'étaient. Il y a effectivement aussi le fait que les rémunérations sont assez médiocres, et pas seulement en début de carrière, par l'intermédiaire de bourses, et que c'est censé mieux convenir à des femmes qui ont par ailleurs effectivement un mari. Etc. Donc tout ça joue effectivement de manière très importante. Oui, voilà une petite question également pour Monsieur Berlivet. Est-ce que finalement ce démembrement de la DRMS, il est pas lié à la façon dont sont produites les statistiques aussi à l'époque, c'est-à-dire avec la croissance de l'INSEE, sa diversification thématique à partir des années 60, et également le même phénomène se retrouvant au sein de la Sécurité sociale et toute l'administration de la Sécurité sociale, ce qui fait que finalement la pertinence d'avoir cette production statistique au sein d'une unité de recherche médicale ne se trouvait plus véritablement fondée. Et est-ce que vous avez justement des débats avec ces autres instituts, est-ce que vous identifiez des débats avec les autres instituts de production de statistiques publiques et éventuellement des mouvements de personnes ou de personnel qui passeraient de l'INH ou de l'INSERM à ces autres instituts? Merci pour cette question qui est effectivement de plus grande importance. C'est une hypothèse qu'on pourrait faire mais qui n'est pas vérifiée dans la mesure où l'INSEE a des difficultés à investir, et c'est très, très longtemps le cas, des questions liées au médical pour aller vite et à la santé publique en particulier. C'est-à-dire que la statistique des causes de décès est encore aujourd'hui assurée par un service de l'INSERM. Et il y a eu des tentatives, dans mon souvenir, il y a eu une période dans laquelle elle a été au moins coproduite, peut-être même placée sous la responsabilité de l'INSEE. Ça ne s'est pas nécessairement très, très bien passé du fait de tout un tas de spécificités, le caractère extrêmement technique et des enjeux, y compris scientifiques, médicaux, que pose l'économie générale de cette classification des décès, donc les opérations ensuite de déclaration, de cause, etc. Donc ça, c'est un premier point. Il faudrait élargir effectivement le propos pour y inclure y compris l'INED. Et on sait les proximités entre Sauvy et Robert Debré, par exemple. Il y a quelques collaborations ponctuelles avec l'INED, moins à ma connaissance avec des chercheurs de l'INSEE. Mais c'est aussi que je pense que l'INSEE, qui investit le domaine des études sociales et qui pourrait comme ça être plus en relation en quelque sorte avec des problématiques de santé publique, etc., est un INSEE finalement assez tardif, sauf erreur de ma... Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est une évolution de l'institution qui n'intervient pas avant la fin des années 70, peut-être même un peu plus tard, au risque de me tromper. Oui,
corriger qu'il y a une demande à faire si. Opérateurs. Si pour conclure cette session, vous vouliez bien réafficher mon PowerPoint, s'il vous plaît. Je voulais montrer un cliché que je n'ai pas eu le temps de... Puisqu'on a parlé de Gustave Roussy. Voilà, j'ai dû accélérer sur la fin de mon papier, mais j'avais retrouvé. Ah non, ben alors. Non. Ben si, pourtant, je devais l'avoir. Voilà. Elle a sauté. Donc voilà, c'est les fichiers de l'inauguration de la légende Robert de Brefhaus. Donc de Gustave Roussy, on doit être en 74 ou 60. Oui, on doit être en. 64, au début des années 70, c'est donc l'inauguration par Georges Pompidou des nouveaux bâtiments de Gustave Roussy, hein, qui montre bien les investissements aussi qui étaient faits, qui ont transformé complètement ce lieu pour en faire un point important, crucial même de la recherche en cancérologie. Voilà. Bien, bah écoutez, nous allons clore cette première partie. Nous allons prendre une petite pause, pas trop longue. Nous avons commencé, comme je le dis, un petit peu en retard pour permettre aux personnes qui ont des problèmes de transport d'arriver. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Donc, petite pause et nous reprendrons nos travaux dans 5-10 minutes. Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette deuxième session. Nous avions d'ailleurs déjà parlé un petit peu des relations en ce qui concerne la recherche médicale avec le rôle des anglo-saxons, notamment le rôle de l'influence des États-Unis et même celui de la Grande-Bretagne concernant l'INH et l'INSERM. Alors, dans cette seconde session, nous allons effectivement mettre l'accent sur les transferts, circulation et internationalisation de la santé publique. Nous allons voir dans un premier temps effectivement les liens avec l'Afrique, s'agissant de la Francafrique, et dans un second temps le problème d'une Europe, une éventuelle Europe de la santé, ce qui n'a pas été un long fleuve tranquille, si j'ai bien compris. Alors, je vais d'abord donner la parole à Gaëtan Thomas, qui est historien de la médecine. Il est auteur de plusieurs articles dans The Bulletin of the History of Medicine and the Journal of Contemporary History. Et il est l'auteur aussi, avec Guillaume Lachenal, d'un atlas historique des épidémies qui va paraître aux éditions Autrement. Mais là, pour l'instant, il va nous parler effectivement de la Francafrique du vaccin qui repose le problème des rapports, des relations de la France avec ses colonies et des difficultés qui y sont associées. Je vous donne la parole pour 20 minutes, 25 au mieux. Je vous en prie. Voilà. Oui, j'ai écrit mon texte parce que je le passe toujours, donc je pense que ça durera 20 minutes. Je vais vous parler d'institutions et d'objets sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse. Donc voilà, c'est des. Alors, au cours de la période durant laquelle Georges Pompidou dirige l'exécutif, d'abord comme Premier ministre, puis comme président de la République, on observe, c'est,
je recommence. La période au cours de laquelle Georges Pompidou dirige l'exécutif, d'abord comme Premier ministre, puis comme Président de la République, correspond à l'acmé du parcours de Jacques Foccart, le conseiller Afrique de l'Élysée. Le nom même de Foccart renvoie à l'idée d'une politique africaine cohérente, mais brutale, menée dans l'ombre, qui recourt au coup tordu et aux interventions militaires. Essentielle à l'idée que la France se fait de sa place dans le monde après le démantèlement de l'Empire, cet interventionnisme possède une dimension plus présentable, celle des politiques de coopération, caractérisées par une assistance technique et une aide au développement à destination des pays africains. Un ministère de la coopération leur est dédié à partir de 1961, mais nombre d'initiatives continuent à être orchestrées par Jacques Foccart directement depuis l'Élysée. La médecine des maladies infectieuses ne fait pas exception. Plusieurs projets passent par le bureau de Foccart. C'est un domaine important du rayonnement de la France en Afrique dans les années 60 et 70. Mais alors que la coopération postule un transfert de connaissances, de scientifiques et de matériel de la métropole vers les anciennes colonies, le champ de l'infection donne d'abord une relation moins déséquilibrée. Les spécialistes français de l'infection manifestent, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Jean-Pierre Dozon, un véritable besoin d'Afrique, car la situation ne leur est pas favorable en métropole. Comme l'a montré Luc Berlivet tout à l'heure, l'épidémiologie des maladies infectieuses y est déclassée par celle des cancers et des maladies cardiovasculaires, une discipline jugée plus en phase avec l'état de la santé des populations et plus innovante sur le plan scientifique. L'État, quant à lui, dans ses années 60 et 70, s'abstient de promouvoir auprès des médecins et des maires ses propres infrastructures de recueil des données, qu'il s'agisse de la déclaration obligatoire des maladies infectieuses ou du registre des vaccinations. Si bien que le développement d'une statistique nationale des maladies infectieuses semble hors de portée. Enfin, les gestionnaires de la recherche publique à l'INSERM entérinent la marginalisation de l'épidémiologie des maladies infectieuses avec la transformation de l'INH en INSERM en 64, on l'a vu dans la matinée. La santé publique y est peu à peu reléguée à la dernière place. C'est donc en dehors de la métropole et avec l'aide des réseaux de la coopération que les spécialistes de l'infection vont faire vivre leur discipline dans ce qui s'assimile à une période de déclin, avant que l'épidémie de sida ne remette l'infection au centre des préoccupations médicales et dans une certaine mesure politique. L'importance de la relation franco-africaine pour les spécialistes des maladies infectieuses est symbolisée par l'ouverture en 1971 de la Fondation Léomba à Paris, dans l'enceinte de l'hôpital Claude Bernard, un établissement, l'hôpital Claude Bernard, entièrement dédié à la prise en charge des contagieux depuis le début du XXe siècle. Le premier président du Gabon, Léomba, y a été soigné pour un cancer à partir de 1963. À sa mort en 1967, il lègue une somme d'argent à l'État français pour qu'une institution portant son nom, dédiée à l'étude des maladies infectieuses africaines, soit les hépatites d'abord et le paludisme, soit créée à l'intérieur même de l'établissement parisien. Le général de Gaulle pose sa signature sur la version préliminaire du projet, Foccart suit le dossier, puis Jacques Chaban-Delmas participe à l'inauguration du nouveau bâtiment avec le successeur de Léomba, Omar Bongo. Les liens entre l'hôpital Claude Bernard et le Gabon se resserrent ensuite. Grâce au pétrole exploité par l'entreprise Elf, le Gabon devient l'argentier de la France-Afrique et se réserve un autre bâtiment dans l'enceinte de l'hôpital Claude Bernard. Un pavillon est entièrement dévolu à la prise en charge des patients venus de ce pays d'Afrique centrale. Donc il y avait des patients gabonais qui étaient envoyés par avion se faire soigner à Paris à l'hôpital Claude Bernard. Comme l'illustre l'histoire franco-africaine de l'hôpital Claude Bernard, sur laquelle Guillaume Lachal et moi travaillons actuellement avec une équipe d'historiens de l'architecture, la coopération ne consiste pas en de simples transferts de la métropole vers les pays francophones d'Afrique. S'y expriment aussi des intérêts partagés. Du côté de la métropole, ces relations permettent à des médecins d'apporter une justification à leurs activités qui paraissent par ailleurs menacées. Ces relations donnent aussi aux médecins français de l'infection la possibilité de revendiquer une expertise en matière de santé internationale et donc de faire entendre la voix de leur pays dans les institutions onusiennes. Je rappelle que le début des années 70 voit la vaccination s'imposer comme un des grands sujets de santé publique internationale. Le programme d'éradication de la variole a été lancé en 1966 par l'Organisation mondiale de la santé. Et bien que beaucoup de spécialistes doutent de la possibilité d'éradiquer la maladie jusqu'au dernier cas, ce programme a rapidement mis en lumière les potentialités des vaccins dans les pays du Sud, jugés sous-exploités par les producteurs et les médecins actifs sur la scène internationale. Alors que le programme d'éradication de la variole bat son plein, ses responsables posent les bases
d'un autre programme, le programme élargi des vaccinations, visant 6 maladies infectieuses de l'enfance, qu'on appelle aussi par l'acronyme PEV. Le PEV est officiellement lancé en 1974, et les années 70 et 80 s'imposent comme des décennies d'internationalisation de la vaccination. Et c'est dans ce contexte que deux institutions françaises, le Centre international de l'enfance et l'Agence pour la médecine préventive, multiplient les projets sur la vaccination en Afrique francophone à partir du début des années 70. Alors, le CIE, donc le Centre international de l'enfance, qui avait son siège dans le château de Longchamp à Paris, dans le bois de Boulogne, et la PMP, qui avait aussi son siège à Paris, près de l'Institut Pasteur, s'appuient en Afrique sur les mêmes réseaux des médecins militaires actifs dans des institutions héritées de la lutte contre la maladie du sommeil, l'OCA qui est l'OCCGE, mettent en place des initiatives similaires, plusieurs essais vaccinaux en Afrique de l'Ouest à partir de 1970. Tous deux organisent le CIE et l'AMP, la PMP, pardon, organisent des cours et des colloques et participent à des activités de conseil auprès des gouvernements africains et jouent un rôle d'intermédiaire avec les organisations internationales. On peut dire donc que dans les années 70, ces deux institutions sont des partenaires compétiteurs en Afrique et pourtant ils vont connaître des destins divergents au cours des décennies suivantes. Le CIE fait face à une série de crises qui débouche sur sa fermeture en 1999, alors que la PMP a poursuivi ses activités jusqu'à la fin des années 2000. Et leur histoire, c'est ce que je vais essayer de montrer assez dans le temps qui me reste, permet de saisir les transformations de cette France-Afrique du vaccin qui s'affirme au début des années 70. Alors, quelques éléments sur l'histoire du Centre international de l'enfance. C'est une institution qui a été fondée en 1949 par le pédiatre Robert Debré, dont on a beaucoup parlé évidemment au cours de ce colloque, avec le soutien du bactériologiste et ami, le polonais et premier président de l'UNICEF, Ludwig Reichmann. La mission initiale du CIE était de diffuser la pédiatrie sociale de Debré, une approche holistique de la santé des enfants, mettant l'accent sur les déterminants sociaux. C'est important d'insister sur le fait que cette pédiatrie sociale, Debré l'a essentiellement défendue dans l'extraterritorialité du château de Longchamp, qui n'était pas une université, qui était une institution très particulière. Il l'a vraiment jamais soutenu à ce niveau-là dans les autres institutions très nombreuses où il a été impliqué. Le CIE était vraiment la face, le visage institutionnel d'une discipline. Et donc, c'était une institution qui, comme toute institution défendant une discipline, en fait, avait trois types d'activités, enfin un nombre limité d'activités, de recherche, en l'occurrence des études à la fois médico-sociales et épidémiologiques dans les colonies françaises et en métropole, puis après dans les anciennes possessions françaises, les pays indépendants d'Afrique, des activités de cours très nombreux, ciblant les professionnels de santé étrangers, qui étaient envoyés en France ou dans les pays où ces cours étaient organisés grâce à un système de bourse, et une activité éditoriale très soutenue de publication, avec aussi la mise à disposition des chercheurs d'un très grand fonds, une très grande bibliothèque. Il s'agissait, pour reprendre les mots de Debré, d'une tâche, la création du CIE, une tâche hautement diplomatique, une question, je cite, de prestige, d'influence intellectuelle. L'enjeu était de faire exister la médecine française, la pédiatrie, dans le monde des organisations internationales. Si bien que le CIE mimait, et ça c'est absolument fascinant, dans sa rhétorique, dans son choix des symboles et dans sa structure organisationnelle, les agences de l'ONU. Le CIE était une institution de droit français qui se présentait comme étant internationale. Pour reprendre une expression de Debré, le CIE était une déviation nationale qui cherchait à intégrer un ordre scientifique d'après-guerre allergique à la défense des intérêts nationaux. Donc, il y a énormément de tensions lors de la création du CIE, avec notamment l'OMS et les autres pays participant à ces institutions internationales, très actives dans la création de l'OMS, qui ne comprenaient pas pourquoi la France voulait sa propre organisation internationale, ce qui est une contradiction dans les termes. Mais elle voulait sa propre organisation internationale, en fait, pour transfigurer sa présence coloniale en une activité internationale, ce à quoi elle est parvenue pendant plusieurs décennies. Alors que l'organisation du CIE, de la recherche au CIE, était divisée en départements, et le département le plus important, la station pilote, travaillait sur la vaccination et les maladies infectieuses. Et pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 90, c'était l'institution de référence qui a fourni des données sur l'infection en France et qui a aussi formé des générations d'épidémiologistes
qui sont aujourd'hui à Santé publique France. Daniel Elie-Brul a commencé sa carrière au CIE dans les années 80. Et cette station pilote qui menait des essais cliniques et vaccinaux en métropole, essentiellement d'abord sur le BCG puis sur l'ensemble des vaccinations de l'enfance, a travaillé jusqu'aux années 70 en métropole exclusivement. Et c'est qu'à partir de 1970, elle a commencé à mener des essais vaccinaux en Afrique, alors qu'aucune des médecins de l'équipe, c'était une équipe très féminine, n'avait jamais travaillé en Afrique. En 70, une médecin et une infirmière du CIU atterrissent au Cameroun pour réaliser un essai vaccinal, à l'invitation du médecin militaire qui dirigeait l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale. C'était donc une expérience inédite pour la jeune médecin. Tout juste recrutée, elle n'avait jamais travaillé au Cameroun ni dans aucun pays africain ou étranger. Et l'expérience n'était pas moins inédite pour la toute petite équipe du féminine du CIE qui pratiquait l'essentiel des essais vaccinaux en région parisienne, et même pas dans le reste de la métropole, c'était vraiment le nord de Paris. Mais ce manque d'expérience étrangère et africaine a été vite rattrapé. Après l'étude camerounaise de 70, le CIE, on le voit sur le tableau, a réalisé de nombreux essais vaccinaux en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal et en Algérie. Ces pays ont vint à capter l'essentiel des activités de ce département, au point que le CIE se transforma en moins de 10 ans en l'institution de référence sur la vaccination en Afrique. Et par ricochet, il réduisit considérablement le rythme de ses activités en France, sans toutefois les abandonner. Donc ce qu'on voit dans le tableau là, qui détaille le contenu de ces essais vaccinaux, c'est qu'il y avait à la fois des essais très très classiques en fait, relatifs à la standardisation, par exemple du BCG ou à l'évaluation des vaccins, et aussi des essais vaccinaux qui étaient beaucoup plus importants pour l'histoire de la vaccination en France et dans le monde, sur la simplification des calendriers vaccinaux, qui était une grande question en fait, d'après-guerre. On considérait en santé publique qu'il y avait une espèce de trop-plein de vaccins, d'injections, et qu'il fallait rassembler les doses, soit dans des vaccins combinés, soit dans des calendriers qui étaient rationalisés, et c'était l'objet de ces enquêtes, qui étaient à la fois réalisées en France, et donc à partir de 70 en Afrique francophone, avec l'idée que l'impératif de simplification était accru en Afrique francophone, puisque les moyens étaient moins importants. Donc la simplification, c'était une valeur qu'on n'avait pas à justifier sur ce terrain-là. Et de fait, le CIU a été invité, le premier essai, à faire des essais de simplification, le premier essai qu'il a réalisé, des essais de simplification, parce que la Busquière, ce militaire, travaillait déjà sur cette question-là en Afrique. Le CIE a pu s'appuyer sur les militaires pendant tout son travail en Afrique. Il s'est appuyé aussi sur des religieuses qui sélectionnaient les enfants sur lesquels les vaccinations étaient réalisées. Et enfin, le CIE bénéficiait de la bienveillance des autorités politiques. Je vous signale plutôt que le ministre ivoirien de la Santé publique siégeait au conseil d'administration du CIE et qu'il y avait un accès direct de l'équipe de la station pilote au cabinet du ministre ivoirien et à plusieurs responsables politiques africains. Et ça, c'est une constante en fait, dans l'histoire de la coopération. Ces médecins qui travaillent en Afrique qui mettent en avant le fait qu'ils avaient une ligne directe avec tel ou tel ministre. Et de fait, en fait, le CIE a été invité à définir la politique vaccinale de la Côte d'Ivoire, par exemple. Et l'institution, le CIE, a longtemps différer sa réponse parce que c'est une institution qui avait toujours besoin d'argent et elle a vraiment participé à la définition de ses politiques vaccinales quand l'OMS a apporté une bourse en 1977 qui a concrétisé en fait la relation entre le CIE et la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est une décennie, les années 70, comme j'ai dit en introduction, qui est très importante pour l'internationalisation de la vaccination. Jusqu'alors, il y avait quand même de la vaccination en Afrique coloniale et après les indépendances, mais qui n'était pas du tout systématique. À partir de la fin des années 60, il y a une intensification des campagnes via en fait, l'initiative de l'OMS, puis aussi l'intérêt que porte le Center for Disease Control américain à partir de 1966 à l'Afrique de l'Ouest, qui met en place une campagne de vaccination contre la rougeole et la variole. Et donc, en fait, tout amené à penser en fait, que la région prenait les traits d'un marché émergent pour, euh,
pour les producteurs de vaccins, ce qu'a très bien compris l'industriel Charles Mérieux, qui, à partir des années, du début des années 70, a lui aussi consacré une grande partie de son énergie au développement de la vaccination en Afrique, à travers une fondation dont il est à l'initiative, qui est l'Agence pour la médecine préventive, créée en 1972. À l'origine, il était prévu que cette agence, il avait impliqué Jacques Monod de l'Institut Pasteur dans la création, mais en fait, l'agence était essentiellement financée par l'Institut Mérieux. L'Institut Pasteur a toujours été très réticent à vraiment s'impliquer dans le fonctionnement de cette agence, notamment puisque l'Institut Pasteur de Paris en fait, s'intéressait de moins en moins à la vaccination. Il était prévu à l'origine que l'AMP, l'APMP, moi je dis AMP parce que ça a changé de nom, c'est devenu AMP, mais APMP à l'origine, apporte une aide technique aux instituts franco-africains, donc l'OCCGE et l'OCEAC, ces instituts qui rassemblaient des médecins militaires français dans la lutte contre les maladies infectieuses. Donc, qu'elle apporte une aide technique à ces instituts, qu'elle participe à la formation du personnel médical et qu'il livre des vaccins et des sérums, des produits produits par l'Institut Mérieux, en avion, dans les meilleurs délais. Et j'ai mis en fait un extrait du cahier iconographique de l'autobiographie de Charles Mérieux, où on voit son avion. En fait, l'avion apparaît à très nombreuses reprises dans ce texte comme un motif de fierté, une idée une illustration de ce qu'est la modernité aussi. Et dans l'entretien que j'ai réalisé avec le directeur de la PMP, lui-même parle beaucoup d'avions, où il explique qu'une des conditions qu'il avait mises à son travail en Afrique, c'était de pouvoir voyager d'un pays à l'autre en avion. Donc, il y a cette idée aussi que... Et quand on fait des entretiens aussi avec d'autres membres de ce groupe-là qui travaillent en Afrique, en fait, l'avion de Mérieux et de Stockel faisait beaucoup jaser, impressionnait beaucoup, parce qu'il y avait un écart très, très grand de moyens entre la PMP et les autres acteurs de la coopération présents en Afrique de l'Ouest. Alors, il y avait une dimension en fait, d'aide au développement de la vaccination en Afrique. Et il y avait aussi une dimension commerciale dans la PMP qui était présente dès le début via une société commerciale qui était membre de cette institution, la société Projet de Service, qui a été très, très éphémère, dont le directeur de la PMP était le gérant. Et c'était une société qui vendait des injecteurs de vaccins. Et le ministère de la Coopération a même proposé en fait, d'acheter des injecteurs pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors très vite, il y a une disparition de la société Projet de Service. Mais la commercialisation des vaccins reste un enjeu important pour la PMP. Et alors là, bon, bah, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas accédé aux archives commerciales de l'Institut Mérieux, mais on sait qu'à partir des années 80, l'Afrique représentait 20% des exportations de vaccins de l'Institut Mérieux. Dans son autobiographie, Charles Mérieux remarque qu'il vendait, je cite, « beaucoup de vaccins pour l'enfance en Afrique ». Du côté de l'Institut Pasteur Production, donc la branche commerciale de l'Institut Pasteur, qui va être acheté par Mérieux, en 1976, 23% du chiffre d'affaires de Pasteur Production était réalisé à l'export, essentiellement grâce à la vente, mais là, il n'y a pas le détail, de vaccins en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, c'était un marché. Et il y avait aussi des enjeux, en fait, évidemment, de présence politique française dans ces territoires-là. Et l'idée que si on laissait trop de place au CDC, c'était les industriels américains qui allaient récupérer ce marché. Donc, la vente n'était pas forcément l'enjeu premier, mais elle laissait toujours un horizon dans ces activités de la PMP. Et ce qui marque, en fait, dans cette histoire de la coopération vaccinale des années 70, brièvement décrit avec les activités du CIE et de la PMP, c'est l'absence quasi complète, non seulement de l'Institut Pasteur de Paris, qui, je l'ai dit, s'est désengagé de la production et de la recherche sur les vaccins depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout des instituts pasteurs d'outre-mer, dont plusieurs entrent en crise à partir des années 60 et 70, et alors que ça avait été des acteurs très, très importants, en fait, de la médecine coloniale de l'entre-deux-guerres, y compris pour la vaccination dans les colonies. Donc, la configuration qui se développe dans les années 70 et qui va être en fait assez éphémère, hein, de la vaccination, la France-Afrique du vaccin, comme j'ai dit dans le titre, et à cet égard très différente de la configuration coloniale organisée autour des instituts pasteurs. Pour conclure, en fait, cette configuration va se transformer très rapidement
dans les années 80, et on va voir, avec les choix qui sont opérés par la PMP et le CIE, émerger en fait deux visions antagonistes de la santé internationale qui rejouent en fait des oppositions très, très classiques dans l'historiographie entre d'un côté ce qu'on appelle la santé internationale et de l'autre la naissance de la global health, la santé mondiale, qui est une dimension beaucoup plus financière. Dans les années 80, dans la suite du lancement du PEV, plusieurs programmes sont mis en place par les institutions internationales pour assurer, aider au développement du PEV. Et il s'avère que ces programmes ont pour point commun de mettre l'accent sur la dimension financière. L'impulsion politique et programmatique de la vaccination dans le monde a été donnée en 1974 par le PEV, et la question financière, en fait, est l'enjeu vraiment sur lequel les institutions internationales travaillent dans les années 80. Et il faut savoir que la vaccination s'est imposée comme l'intervention reine de santé publique internationale parce que c'était l'intervention la moins coûteuse pendant des décennies. Mais dans les années 80, ce paysage change considérablement avec l'arrivée du vaccin contre l'hépatite B, qui est le vaccin le plus cher jamais commercialisé et qui, par ricochet, en fait, induit une augmentation du prix de tous les vaccins. Donc l'enjeu financier s'affirme de plus en plus dans les années 80 autour de la vaccination. Et ça, la PMP l'a très, très bien compris. Et la PMP participe aux réunions qui portent sur les questions de financement dont est exclu, en fait, auxquelles ne cherchent pas forcément à participer les membres du CIE. Autre élément de différence, il y a une crise de l'épidémiologie de développement, une crise des institutions de la coopération médicale. L'OCA et l'OCCGE ont des problèmes budgétaires, financiers, aussi de raison d'être. Ces institutions ont survécu, mais le monde sur lequel elles s'appuyaient va péricliter à la fin des années 90 avec la disparition du ministère de la coopération et du CIE. Donc c'est un ensemble d'acteurs en fait qui perd des appuis politiques très très importants. Et de l'autre côté, il y a aussi une redéfinition de ce qu'est l'épidémiologie des maladies infectieuses dans les années 80, qui a une fois encore très bien compris la PMP et un peu moins le CIE, puisqu'avec le développement de l'épidémie de sida, il y a une revalorisation de l'épidémiologie descriptive des maladies infectieuses qui passe cette fois par une importation de l'épidémiologie qui est pratiquée au CDC et américain, et dont est court-circuité un peu le CIE, qui continue à faire ses essais vaccinaux, qui développe des méthodes de description des maladies infectieuses, mais qui ne prend pas le tournant français en fait, de l'importation de l'épidémiologie américaine, qui est pour le coup soutenue directement, comme l'a montré Luc hein, dans sa thèse, mais d'autres aussi, François Buton, par la Fondation Mérieux, qui en fait est au premier plan d'une réinvention de l'épidémiologie des maladies infectieuses en France. Donc pour un ensemble de raisons, et aussi parce que le CIE soutient une vision internationale en fait, avec l'idée de défendre la place de la France, qui était plus tenable dans les institutions internationales, qui était vraiment dépassée. Ces deux institutions ont une trajectoire très, très différente dans les années 80 et 90. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication très concise qui s'appuie sur les archives, notamment de la Fondation Mérieux, si j'ai bien compris, mais aussi sur des entretiens qui donnent effectivement un aspect beaucoup plus vivant du témoignage. Et on voit comment, à partir d'initiatives, somme toute, d'individus, d'acteurs, un médecin comme Robert Debré, un industriel comme Mérieux, s'inscrivent dans cette politique justement d'internationalisation, de programmation de la vaccination dans les pays africains. Et vous montrez bien aussi le rôle du financement et aussi comment finalement le rapport entre la métropole et ses anciennes colonies est au fond peut-être trop étroit et qu'il faut l'élargir justement, d'où les problèmes d'internationalisation qui se posent à cause justement de la commercialisation et du financement. Alors, je vais donner la parole maintenant, parce que l'heure tourne, mais nous sommes tout à fait dans les temps, à Christian Bonnat,
pardon. Vous voulez ? Ah, le BIP. Non, c'est pas grave. Voilà. Christian Bonnat, qui est professeur donc, en histoire des sciences de la vie et de la santé au département d'histoire des sciences de la vie et de la santé de l'Université de Strasbourg, mais c'est aussi un médecin, donc historien et médecin. Et il travaille notamment sur l'histoire comparée de la formation médicale, de la médecine des preuves, des thérapeutiques et des conflits d'intérêts. Et il va nous parler aujourd'hui de la France, donc Georges Pompidou, et les débats et actions autour d'une Europe de la santé, Europe de la santé, qui, comme je le disais précédemment, ne s'est pas a subi beaucoup de difficultés, a rencontré d'énormes difficultés et a été au fond du compte un échec relatif. Je vous laisse, je vous donne la parole. On va voir que, si échec il y a et puis où on en est pour pouvoir vraiment juger de cette Europe et de la santé. Donc je remercie d'abord évidemment l'Institut Pompidou et le Comité pour l'histoire de l'INSERM, donc en particulier les deux présidents et Céline Payette et Olivier Simbre qui ont préparé et accompagné donc cette préparation. J'ai des préambules immédiatement à faire valoir avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier préambule, c'est que c'est un projet que j'ai initié suite à la pandémie, aux périodes d'inactivité et notamment frappé par un certain nombre de citations que je vous montrerai dans un moment. Qui concerne donc cet appel à une Europe de la santé qui n'aurait jamais eu lieu, pour laquelle, du coup, il s'impose peut-être de regarder de plus près quoi on parle quand on parle d'une Europe de la santé. Alors, il m'importe de souligner que ce projet est aujourd'hui un projet collaboratif. Il y a Paul-Arthur Tortosa, qui est postdoc à Strasbourg pour 2 ans, qui c'est un projet postdoctoral sur la santé et la santé en Europe à travers le Conseil de l'Europe et les archives du Conseil de l'Europe. Et il y a Frédéric Vanieron qui travaille de manière plus thématique sur les questions d'une Europe de la santé. Donc, c'est en gros une communication qui s'appuie sur des travaux collectifs, c'est bien large que ma propre personne. La deuxième question, c'est le deuxième point, le deuxième préambule, c'est simplement pour dire que c'est un projet qui a à peine démarré, donc je veux vous présenter un panorama provisoire, mais qui est largement appelé à évoluer et à se construire. Donc, ça allait beaucoup trop vite. Je vais vous proposer une présentation en 3 temps. On va revenir sur un premier temps, cette Europe de la santé, à un moment un peu oublié qui s'appelle la Communauté européenne de la santé. Donc, c'est revenir aux origines. Je pense que plusieurs communications l'ont fait, de retracer quand même ce qui existe au moment de l'ère Pompidou qui nous intéresse. On viendra donc sur cette question une Europe sans santé et le grand partage et on reviendra sur une manière différente peut-être de lire cette histoire de la santé en Europe qui croise à mon sens beaucoup de choses qu'on a entendues dans les 2 derniers jours qu'on vient de passer ensemble. Alors comme dit, le point de départ de ce projet, c'est vraiment les prises de position en automne-hiver 2020, que ce soit par le Conseil de l'Europe ou l'OCDE. Donc, on voit bien que ça parle un peu de tous les bords, de cette idée qu'il faudrait vraiment une Union européenne dans le domaine de la santé, une Europe de la santé. Donc, il y a un appel, il y a de la rhétorique, ce qui fait comprendre d'une certaine manière, si on l'appelle de ses voeux, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il faut revenir dessus. Quand on regarde effectivement le travail qui a été actuellement fait sur l'histoire, que ce soit tant sur le plan de l'action publique que des relations internationales autour de la question de la construction ou déconstruction européenne, on parle essentiellement d'une histoire de la construction des institutions européennes. Et effectivement, quand on parcourt cette littérature, on se rend compte que 2 chapitres sur la santé, il n'y en a pas, il y en a rarement, il n'y en a jamais, il y a à peine quelques mots. Et donc, la question, c'est effectivement, est-ce que cette construction européenne s'est faite sans la santé?
Alors, j'ai quand même, et c'était avant que j'ai vu le titre de l'intervention de Thomas Gailleton, mis quand même un petit ouvrage en bas à droite qui montre qu'on commence à écrire aussi une autre histoire de cette construction européenne. Donc, ce n'est pas un travail français, mais c'est un travail qui est traduit en français. Et donc, on commence à ouvrir ce champ. Et je pense que là, le projet avec Paul-Arthur Tortosa et Frédéric Vigneron, ils cherchent à, là aussi à ouvrir peut-être un autre regard un peu plus large au-delà de l'action publique et des relations internationales des institutions européennes en tant que telles. Alors, mon premier chapitre, il concerne tout simplement la préhistoire, celle qui nous amène jusqu'en 1962. Et elle est déjà fort instructive et fort intéressante, et je pense qu'il faut la parcourir pour comprendre les partages de la suite. Alors, avant 1962, très rapidement, il y a l'OECE. Ensuite, en 1950, c'est la création des premières institutions européennes, c'est la CECA, avec le traité de Paris en 1951. Il ne faut pas oublier que si on décline ça sur le plan de la santé, et notamment de la santé publique, il existe depuis 1948 un pacte de Bruxelles pour la santé publique autour de la menace des maladies épidémiques. Donc, on est vraiment dans une gestion atlantique post-Deuxième Guerre mondiale immédiate des menaces épidémiques. Donc, dans cette veine de ce premier pas de la construction et de l'intégration, parce que c'est vraiment une unité fonctionnelle avec une haute autorité des institutions européennes, va se loger un deuxième projet qui fait partie d'une kyrielle de projets, qui est le projet qui est porté par le ministre français Paul Ribert, ministre de la Santé publique et de la Population, qui propose en 1952, plus précisément le 24 septembre au Conseil des ministres et le 26 septembre au Conseil de l'Europe, 52, la création de la Communauté européenne de la santé. Et ça vaut la peine de... Donc, il y a quelques travaux en santé publique par Sébastien Guignard, par exemple, sur ce, et par moi-même sur l'histoire de cette communauté. Dont les prérogatives pour l'époque sont extrêmement larges parce qu'il s'agit à la fois de travailler sur les informations sanitaires ou démographiques. Donc, on voit qu'on revient sur la question de la santé publique de Luc Berlivet de tout à l'heure, de l'épidémiologie, de la surveillance, de la veille sanitaire. On est aussi sur un plan économique qui concerne les ressources dont disposent les États membres pour améliorer les conditions sanitaires. On a une définition très large. Parce qu'on inclut le social à côté du sanitaire et les assurances, et on est sur une lutte contre les épidémies qui devrait être menée par cette communauté européenne. Alors, quelle est sa suite? Elle a clairement aussi un arrière-fond économique. Quand on regarde les fonds qu'on retrouve aux archives nationales, on voit, et ça nous ramène à un point qui a été évoqué hier, par exemple, on fait des relevés statistiques des exportations, des importations des vaccins, et on voit que là, on est sur l'année 1952, que le budget français est grévé de manière extrêmement importante par l'importation de vaccins contre la fièvre typhique, donc quand on a parlé, la fièvre aphteuse, pardon, dont on a parlé hier dans le cadre des maladies épisodiques. Donc, on voit qu'il y a des problèmes économiques derrière ces problèmes de santé publique qui sont extrêmement concrets et donc dont la communauté européenne de santé est un sujet. Alors, que devient cette belle proposition après une première réunion initiale 1952 en décembre ici à Paris pour sa configuration? La longévité de Paul Ribert au ministère de la Santé et de la Population n'est pour rien que cette proposition va en amont. Elle est portée aussi par les affaires étrangères, mais elle rencontre sur son chemin ce que les historiens de la construction européenne appellent la crise des européanismes, c'est-à-dire c'est le moment où une série de projets, dont un certain nombre qui touchent vraiment aux fonctions régaliennes de l'État, la santé, la défense, vont être promus sous forme d'une intégration fonctionnelle forte, donc avec un abandon de la souveraineté, avec une haute autorité indépendante européenne. Et c'est le projet de la Communauté européenne de la défense, donc qui est lancé en 1951 avec une avancée plus importante que pour la Communauté européenne de la santé avec une signature en 1952 qui mène en fait
un rejet en 1954 par l'Assemblée nationale, donc c'est la France qui ne la ratifie pas, et de ce fait, on aboutit en fait à un espèce de dégât collatéral pour la communauté européenne de santé, qui elle aussi sera très rapidement enterrée à partir de ce moment-là. Donc on voit que c'est ça le moment de cette crise de l'européanisme, c'est-à-dire c'est le moment où cette idée d'une intégration rapide sectorielle avec vraiment des institutions européennes qui sont plus que consultatives, échoue très clairement. Et donc, c'est mon premier point, c'est la conclusion de ce premier point. On se retrouve en 1954-57 avec un grand partage. La seule chose qui va encore jusqu'au bout, c'est évidemment ce qu'on connaît, ce qu'est le début de la vraie construction européenne, et la communauté économique européenne. Alors, il ne faut jamais oublier que cette communauté économique européenne inclut une part de santé, puisque c'est le marché commun du médicament. Donc, le médicament n'est pas exclu. Et donc, il y a un certain nombre de discussions autour des médicaments, des brevets et des autorisations de mise sur le marché et des conditions qui rejoignent la question des essais cliniques. Donc, ce n'est pas pour rien que Schwartz a une partie dans les années... où il ouvre son unité à l'INSERM sur ces questions-là, c'est là aussi, ce ne sont pas des questions purement médicales et scientifiques, ce sont des questions qui ont un intérêt scientifique, économique. Pardon. Et, deuxième partie, à partir de 1954, la santé se retrouve dans le giron du Conseil de l'Europe pour tout ce qui n'est pas pris en considération par la CE. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une Europe sans santé, mais pas tout à fait sans santé quand même, quand on regarde de plus près. Effectivement, après la création du Conseil de l'Europe en 1949, et la date n'est pas pour rien, 1954, il y a la création d'un comité des ministres du Conseil de l'Europe qui crée un comité d'experts en matière de santé publique. Donc, on voit qu'effectivement, suite à l'échec de la CES, le Conseil de l'Europe va récupérer, mais dans un premier temps, sous une forme extrêmement embryonnaire et peu développée. Et donc, c'est onze ans plus tard, en 1965, que le Comité européen de santé publique va être renommé et qui prendra une fonction d'autant plus importante et plus structurante à partir de là. Alors là, vous voyez des images des premiers rapports sur l'activité du Conseil de l'Europe. Donc, c'est des archives qui, pour l'instant, ont été faites au sein des archives du Conseil de l'Europe, notamment par Paul-Arthur Tortosa et par Frédéric Vanneron. À part ces deux comités, donc un premier comité plus partiel et une structuration en 1965, il y a un troisième moment et un troisième institut, et c'est là que l'histoire européenne devient un peu difficile à lire, en fait. C'est que l'Union de l'Europe occidentale, donc une sous-partie, une sous-structure avec un organe spécifique, va transférer au Conseil de l'Europe en 1960 les compétences dans le domaine social, culturel et de la santé publique, ce qui mène à la création d'un autre comité, qui est le comité de santé publique. Et donc, on a des niveaux différents. Il ne faut pas oublier que son Conseil de l'Europe, c'est une Europe élargie, de l'Islande à la Turquie. Et on aura un comité d'experts donc, de santé publique à partir de 1954. Et en même temps, pour une partie plus restreinte, mais différente, un comité de santé publique de cette Europe restreinte à partir de 1960. Alors, quand on veut savoir un tout petit peu de quoi traite ce comité, donc je vous ai reparti ici simplement selon les dates de notre ère Pompidou et du colloque, on voit qu'au début, les premiers réunions et les premiers rapports que fait ce comité de santé publique en 1962, ça concerne encore l'assistance mutuelle dans le cadre des traitements des blessés de guerre, des vétérans, etc. Donc, on voit, on reste sur une structure qui est très sortie de guerre. Et on voit que à partir donc, de la période de sortie de notre ère Pompidou, on est véritablement sur l'organisation professionnelle, la situation des médecins, sur les méthodes propres à améliorer la santé bucco-dentaire,
les maladies transmises par les rapports sexuels. Donc, on voit qu'on est passé d'une gestion des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale à un embryon de santé publique. Alors, la question évidemment qui se pose, c'est mais quelle santé publique? De quoi traite ce comité de santé publique du Conseil de l'Europe et quelle est son influence? Alors, il faut comprendre, et c'est intéressant parce qu'on en a eu un nombre qui a plané un peu sur un certain nombre des interventions et des activités dans les années qu'on vient d'évoquer, qui est un personnage qui est absolument central, qui est un peu partout et dont on a probablement effacé ou oublié tout un volet européen et international. Parce qu'on retrouve le premier directeur de la Générale de la Santé, donc je ne refais pas sa biographie ici, le premier directeur de l'INSERM, qui est la même personne et qui s'appelle Eugène Aujaleu, est en même temps le représentant de la France de 1948-49 à 1982 à l'OMS et au Conseil de l'Europe. Donc, c'est Eugène Aujaleu qui pilote cette partie internationale et qui coordonne d'une certaine manière à travers sa propre personne ce qui relève de l'Europe, ce qui relève des organisations internationales à proprement parler. Et Eugène Aujaleu, dont Raymond Marcellin déclare qu'il ne pouvait pas y avoir deux ministres dans le ministère au moment où il promue à la direction de la direction de l'INSERM qu'on vient de créer. Donc, autant il y a des ruptures à cet endroit-là dans la carrière d'Eugène Aujaleu, autant son influence et son activité internationale, elle est ininterrompue et elle excède ses fonctions officielles dans le cadre de ses fonctions, puisque il va prendre sa retraite de la direction de l'INSERM en 69, il est conseiller d'État en service extraordinaire jusqu'en 71, mais il restera à l'OMS et au Conseil de l'Europe jusqu'au début des années 80, en fait. En 1972, donc en plein milieu de notre période, Eugène Aujaleu rédige un rapport pour le Comité européen de santé publique dans lequel il va effectivement, dans son préambule, faire référence à l'idée que l'État doit prévoir. Autrefois, c'était les rois et les mages qui le faisaient. Aujourd'hui, c'est les sciences et les techniques. Donc, il est très sur une ligne de la direction générale dont il a largement la pratique. Il montre très clairement que ces études prévisionnelles doivent fixer les objectifs, et là, c'est les objectifs de santé publique des années à venir. Donc, on voit que l'Europe et le Conseil de l'Europe, à cet endroit-là, n'est pas simplement quelqu'un qui promeut quelques décrets, mais il va commencer à échafauder une véritable politique, une prospective de politique européenne de santé publique. Alors, quels sont les objectifs de ce rapport? C'est établir les perspectives concernant le milieu socio-économique, l'évolution probable des sciences médicales, des besoins médicaux et des coûts, et les problèmes qui se poseront alors au service de santé publique, la leçon qu'ils doivent en régler. Donc, c'est en gros un manifeste de projet, de feuille de route de la politique en santé publique à suivre par la suite. Pour terminer, s'il me reste 2 ou 3 minutes, je voudrais retourner un tout petit peu mon propos maintenant. Là, je vous ai proposé qu'au-delà de cette histoire des institutions, oui, il y a quand même la santé publique. Elle ne se trouve peut-être pas là où on l'a cherchée. Et elle, certes, se construit progressivement. Elle part de pas grand-chose. Mais il y a aussi la question des problèmes de santé publique et la manière dans laquelle ils sont saisis ou pas saisis par les institutions européennes et peut-être au-delà des institutions européennes. Et alors, si on parcourt notre journée d'hier, on voit qu'effectivement, on rentre dans notre période par un moment qu'on peut appeler un petit peu le moment des grands scandales des médicaments. Alors, il y a d'abord en France celui du Stalinon de 54 à 58, qui est très peu connu, sur lequel j'ai travaillé un peu, donc j'en parle forcément, mais qui a quand même une influence importante parce que c'est le procès donc, qui a lieu à Paris d'un médicament qui a tué plus de 100 personnes dans sa très brève vie de quelques mois d'existence, qui mène à la réforme du visa du médicament en 1959,
ce qui est déjà pas rien, et qui, par ailleurs, va rétablir pour la première fois depuis 1848 en France le brevet spécial du médicament, c'est-à-dire le médicament devient brevetable à nouveau à partir de ce moment-là. Donc, petit effet historique, mais à grande conséquence, et on voit que très vite, au moment où en fait, on est en train de faire cette réforme et de l'autorisation de mise sur le marché et du brevet, qui est un peu un deal entre on renforce la sécurité et on donne le brevet qui n'existait pas en France à ce moment-là, et bien, la prochaine catastrophe est déjà au seuil, puisque c'est la thalidomide qui s'annonce au début, à la fin des années 50, début 60. Donc on voit que la préoccupation du médicament, de sa sécurité est majeure, et l'Europe va très vite, via, alors là, par le coup de la CEE, se saisir de la question de la sécurité, des brevets, des essais cliniques, avec des réformes en 65 et en 75 par la suite. Deuxième élément, la sécurité alimentaire, on en a aussi entendu parler hier, et à juste titre, je pense que c'est une vraie occupation. Et c'est très intéressant, on voit que, alors là, je reviens sur quelque chose que Gaëtan Thomas a souligné un peu, peut-être quelque chose qu'on a moins vu hier, il y a des acteurs industriels dans ce champ de la santé, dans le champ de la santé élargi. Et il n'y a pas que Mérieux et les vaccins, il y a aussi les antibiotiques, et les antibiotiques notamment en usage agricole. Donc, il y a des recherches autour donc, de ces utilisations massives des antibiotiques qui démarrent dans les années 60. Il y a évidemment Pfizer, il y a Roche, il y a les grands producteurs de ces antibiotiques. Il y a des enquêtes et en 1971, le Conseil de l'Europe propose une réglementation autour de la question de ces additifs sous forme d'antibiotiques. Donc, on voit qu'il y a une politique de santé publique qui est menée à cet endroit-là quand on rentre sur les points. Alors, troisième grand domaine, chose dont on a aussi entendu parler hier à travers la communication qui concernait l'environnement et la consommation de masse, le Conseil de l'Europe, dans les thématiques qu'on retrouve dans ses comptes rendus, va s'occuper des maladies de civilisation, bruit, hygiène du camping, caries dentaires. Donc ça, c'est les thématiques que va explorer Paul Arthur Tortosa dans le cadre de son projet de recherche sur le Conseil de l'Europe et la santé. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil de l'Europe, et on le comprend bien si on comprend que Ojaleu représente à la fois le Conseil de l'Europe et l'OMS, laisse l'infectieux, les épidémies à l'OMS et prend d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, est véritablement une faiblesse. On prend les maladies de la civilisation. Dans les années 50, ça ne pèse pas lourd, les années 60 non plus. Sauf que c'est les thématiques qui, dans les années 80, 90 et 2000, vont devenir extrêmement porteurs. Et donc, il y a une espèce d'effet de ricochet qui fait que cette Europe de la santé très faible à un moment donné et qui prend en gros ce que laissent les autres acteurs internationaux, va se retrouver avec des dossiers qui deviennent de plus en plus centrales. La question sur les antibiotiques, ça c'est Frédéric Vanneron qui travaille particulièrement sur ce secteur-là. Et moi, je vais m'attacher à quelque chose qu'on a complètement oublié pour l'instant dans notre colloque. Un autre enjeu fort de ce Conseil de l'Europe qui s'occupe de la santé publique, c'est à partir des années 50, donc ça fait partie des tout premiers dossiers que va traiter le Conseil de l'Europe, c'est ces objets thérapeutiques en devenir. Au départ, c'est la transfusion de bras à bras. Donc, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet économique. Donc, ça ne rentre pas dans la CEE et le marché. Mais à partir des années 50, 60, 70, la question du sang, de la transfusion sanguine, des produits sanguins, et vous voyez que la transplantation se profile derrière. Donc, tout ce que M. Griset nous a dit ce matin sur quoi travaillent les Unikip Inserm, ben, c'est des produits qui ne sont pas dans la CEE parce que ce n'est pas des objets marchands et dont il faudra bien quand même trouver des réglementations, des standardisations, des surveillances parce qu'ils circulent de plus en plus, ils sont devenus des vrais objets. Et donc, vous comprenez bien que là, encore une fois, un peu malgré elle, malgré lui, le Conseil de l'Europe, avec la crise du sida, va se retrouver dans une position qui est extrêmement centrale autour de ce retour des maladies infectieuses au niveau des années 80. Donc, on aurait presque envie de dire bien joué dans le sens où le Conseil d'Europe, en termes de santé publique, prend des dossiers qui vont émerger en fait, dans la fin du XXe siècle.
Alors, dernier point. Juste un mot. Il m'importe aussi de dire que d'Europe, il y a peut-être encore une autre qui est celle de l'Europe des citoyens. Et on va travailler aussi sur la perception des sujets, et notamment, par exemple, la circulation des audiovisuels autour de la télévision en Europe. Donc là, j'ai juste évoqué la question de l'éducation sexuelle, la contraception, des circulations transfrontières, mais qui évidemment ne relèvent pas et qui pourtant relèvent la santé publique. Donc là, c'est des émissions qui traversent les frontières. Conclusion en deux mots. Je pense qu'on est dans un champ de tension entre la santé publique en tant qu'un problème qui devient de plus en plus transnational et donc quel est l'échelon européen ou international, ben, c'est un partage, et un secteur qui reste néanmoins un champ à haute politique, c'est-à-dire où la question de la souveraineté et de l'influence et de la mainmise de l'État est importante. La question, c'est quelle est la place des crises sanitaires dans tout ça, et pour l'instant, de manière extrêmement provisoire, ma conclusion, ça serait de dire que, certes, sous les années Pompidou, on assiste à une politique de modernisation, notamment scientifico-technique, mais d'un point de vue politique, il y a peut-être une politique plus conservatrice en termes de gestion des risques et autres. La question qui se pose, évidemment, est-ce que l'Europe de la santé, à cet endroit-là, est une manière de faire à échelle européenne ce qu'on ne peut pas faire à échelle nationale, c'est-à-dire de dépasser des limites, ou est-ce que c'est véritablement un abandon d'une autorité? Je vous remercie de votre attention. Bien, je vous remercie également de nous avoir montré comment effectivement l'Europe de la santé a émergé au fond de l'histoire des institutions européennes et comment effectivement les préoccupations de santé publique n'ont pu être que transnationales, avec certains points que vous avez développés. Évidemment, le temps nous est compté et peut-être que je vais donner la parole tout de suite au public s'il y a quelques questions avant que M. Durman tire les conclusions. Qui veut prendre la parole? Le président Heisenberg? Oui, question. Cette session, mais je n'ai pas pu la poser auparavant. Georges Pompidou prenait ses décisions, ses grandes décisions de toute nature, au travers de conseils restreints, c'est-à-dire de réunions qu'il présidait lui-même et qui regroupaient le Premier ministre, les ministres et les technocrates concernés et quelques autres personnes, le cas échéant. Et il en a tenu un certain nombre, dans un domaine qui m'est plus familier, une vingtaine, par exemple, sur sa politique industrielle. Ma question est, est-ce que l'on a pu faire un recensement du nombre de conseils restreints et de la nature des conseils restreints que Georges Pompidou a présidé sur le thème de la santé? Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire, si j'ose dire. Et est-ce que un complément sur ce thème ne serait pas le bienvenu. Je crois que c'est une question effectivement centrale et qui aurait pu même être posée à la fin de chaque communication depuis le début du colloque. Donc, nous prenons acte. Si mes deux intervenants n'ont pas de choses à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est là qu'il faut intégrer en fait tout ce qu'on a dit pendant ces deux journées avec l'action politique dans sa construction concrète. Et est-ce que Ojaleux, par exemple, Eugène Ojaleux participe à ces réunions, sous quelle forme, qui sont les conseillers? Ça serait extrêmement intéressant d'établir vraiment une liste exhaustive et précise là-dessus. Si je peux juste dire un mot à ce propos, moi-même, je n'ai pas consulté les archives de ces conseils, mais on m'a demandé d'intervenir sur la vaccination. Et ce qui est important de comprendre sur la vaccination jusqu'aux années 80-90, c'est que pour reprendre un terme qui est très employé par les historiens et sociologues des sciences aujourd'hui, c'est qu'elle est gouvernée moins par l'État que par des médecins qui sont très puissants, dont Robert Debré. Les grandes décisions sur la vaccination, je ne suis pas sûr qu'elles aient eu lieu à l'Élysée, en France. Merci à tous les deux pour vos communications.
Je reviendrai sur le versant international et sur notamment pour éclairer un point sur l'appétit que vous avez tous les deux souligné de la France de se maintenir à la tête sur la scène sanitaire internationale, notamment la volonté que vous avez identifiée française de porter une organisation sanitaire internationale. Je pense que pour le coup, il faut véritablement ouvrir la chronologie, puisque le projet de Paul Ribert, qui s'ouvre en 1952 sur la Communauté européenne de la santé, il se fait directement en lien avec le centenaire et c'est porté par les archives du ministère de la Santé de la première conférence sanitaire internationale de 1851. Et c'est bien ce centenaire-là qu'on fête aussi au sein du ministère de la Santé. Autre chose, c'est que la France, à ce moment-là, est quand même nostalgique. Elle vient de perdre la première organisation sanitaire internationale, qui est prédécesseur, si on fait une généalogie un peu tirée, de l'OMS, qui est l'Office international d'hygiène publique. Donc, autant vous dire que du côté du ministère de la Santé, on est en plein deuil. Et l'autre point aussi, c'est que cet échec d'une communauté européenne de la santé, qui est somme toute très relatif, on peut le voir aussi comme une concurrence qui fonctionne sans grosse coopération entre le ministère de la Santé et le Quai d'Orsay. Et que s'il n'y a pas de coopération interministérielle sur ces sujets-là, à l'international, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, moi, j'aurais préférence à employer plutôt le pluriel des Europes de la santé, parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même plusieurs mouvements qui coopèrent ou qui se superposent, et ça, on peut le voir aussi dans la longue durée. Et ça va aussi en fonctionnement sur la même période avec l'émergence du Bureau Europe de l'OMS. Donc, on peut quand même comprendre qu'il y ait des difficultés. Il faut financer à un moment tout ça. Enfin, sur Paul Ribert, en 1970, sur la période, il n'a pas complètement lâché son intérêt sur la santé, puisqu'en 1970, il fonde un club européen de la santé. Et pour jeter le pont avec les milieux industriels, Paul Ribert, il est aussi très sensible, il vient des milieux du thermalisme. Et à mon avis, ce n'est pas sans lien sur cette question. Voilà pour cet éclairage. J'ai juste à ajouter que c'est totalement justifié tout ce que Céline Payet dit et que ça rentre complètement dans les explications et dans l'analyse du tableau que j'ai essayé de dresser, ouais, effectivement. Merci pour ces deux communications extrêmement passionnantes. J'avais deux questions qui concernent essentiellement Christian Bonnat. D'abord, autour de la question du rôle international d'OJALE, on est confronté à cette dimension extraordinairement importante des grands médecins, qui est la multipositionnalité. Et ce ne sont pas les seuls à être multipositionnels, mais dans leur cas, regardons la trajectoire de Robert Daubré, par exemple, c'est tout à fait fondamental à analyser. Et aussi, donc, du coup, des choix qu'ils peuvent être amenés à faire de porter telle question dans telle enceinte et pas d'autre. Et dans le cas d'OJALE, pour ce qui est de son investissement à l'OMS, je me demandais si ça ne pouvait pas s'expliquer aussi par sa trajectoire et le fait que, même si ce n'est pas très visible, évidemment, dans le cas d'OJALE, directeur de l'INSERM, sa formation est en médecine, maladie infectieuse, et que ça le rattache, y compris biographiquement et par des généalogies, à un certain nombre de médecins français ayant été fondamentalement, très importants à la SDN. Donc, c'est aussi toute la question de la reprise par l'OMS de certaines activités de la SDN. On peut penser à ce que faisait Robert Birot, etc. etc. Et la deuxième question, c'était le point de savoir si au Conseil de l'Europe, lorsqu'il est question de sang, de la nécessité d'avoir une forme de régulation, etc., il y avait des débats explicites déjà à l'époque sur l'économie politique du sang, c'est-à-dire notamment cette confrontation ou ces différences d'appréciation concernant le point de savoir s'il fallait maintenir une gratuité de ce produit particulier qu'est le sang, la position de Titmus en Grande-Bretagne et d'autres, ou au contraire en faire un objet de commerce pour le ramener dans le droit commun, en quelque sorte, et aussi dans des formes de régulation qui avaient fait leur preuve, d'une certaine manière, disaient les défenseurs de cette thèse. Merci pour ces questions, Luc, mais je vais être frustré.
l'ai dit en entrant que c'est un projet qui démarre, qui est en cours. Donc, sur la partie son, je peux te dire qu'il y a beaucoup de discussions technologiques, techniques, de standardisation, de normalisation. D'abord, les groupes sanguins, ensuite les facteurs ESU. C'est à chaque fois que ça bouge un peu, c'est fondamental. Et on va, il faut qu'on s'entende là-dessus à échelle plus large. Il est clair que toute l'activité bioéthique du Conseil de l'Europe vient dans la genèse du sang et de la transfusion quand même. La tradition, après, là aussi, ça s'est élargi. Il y a un peu des choses sur la sortie de guerre, les crimes de guerre médicaux, mais c'est en gros quand même c'est les objets d'origine humaine qui vont quand même être débattus. Donc, mais il faut nous laisser quelques mois de travail aux archives. On est dedans, on va avancer avec Paul Arthur et avec Frédéric. Et donc, d'ici qu'il faut écrire quelque chose, j'espère qu'on aura une vision beaucoup plus claire de tout ça. Roger Leu, laisse-moi juste ajouter un mot. Je pense que tu as totalement raison. C'est quelqu'un qui vient de l'infectieux, qui a fait quand même un peu d'épidémiologie avant-guerre. Donc, c'est des choses qui visent clairement, lui parle depuis le début de sa carrière. Moi, ce qui me frappe, si tu veux, dans ma lecture européenne du personnage au Jaleux, c'est la longévité de son action à cet endroit-là. Et je pense que ça, il va vraiment qu'il va falloir qu'on l'analyse en détail, c'est-à-dire quelle position il prend à l'OMS, quelle position il prend au Conseil de l'Europe, quelle position il prend en France, en national, et de comprendre quel est le jeu et le fonctionnement. C'est un stratège, il ne faut pas se leurrer. C'est quelqu'un qui a construit des dizaines d'hôpitaux en France, etc. Donc, il faut comprendre le fonctionnement à plusieurs niveaux de ce personnage pour comprendre, je pense, en partie le positionnement de la France dans cet échiquier d'une santé publique internationale multiforme. Totalement, il faut vraiment parler d'histoire au pluriel d'une santé, d'une Europe de la santé. Bien. Je crois que nous allons remercier nos deux communicants. Il nous reste à tirer les conclusions. Juste un mot aussi. Pardon ? Juste un mot. Oui, oh, excuse-moi. Pour vous signaler, parce qu'on n'en a pas parlé pendant nos débats, c'est l'existence des cahiers d'histoire de l'INSERM et notamment son numéro sur l'épidémiologie que je vous engage à consulter gratuitement en ligne. Vous aurez des informations sur les sujets que nous avons traités, et puis sur d'autres sujets dans d'autres numéros. C'était la dernière page de Cité. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu le doigt qui se levait sur ma droite. Conclusions qui vont être tirées donc par l'administrateur de l'Institut Georges Pompidou, mais également membre titulaire de l'Académie nationale de médecine, donc il fait bien le joint, Monsieur Antoine Durleman, qui va peut-être se mettre là pour tirer les conclusions. Et nous allons, voulez-vous vous mettre ici, voilà, comme le président Eisenberg, et je vais me... Il m'a été demandé de tirer des conclusions de ce colloque extrêmement riche, passionnant, novateur, et ça n'est pas d'une simplicité, bien entendu, évidente. Je voudrais non pas en tirer des conclusions, mais mettre en lumière un certain nombre de points saillants qui m'apparaissent, après avoir écouté attentivement, ces 16 interventions successives. Il me semble que ces années qui ont été les années où Georges Pompidou a été aux manettes des pouvoirs publics sont des années où se sont affirmés des changements de paradigme extrêmement profonds, où finalement notre modernité a trouvé à s'incarner. Je voudrais
de ce point de vue, souligner quelques points. Le premier point, c'est l'attention qui a été portée par Georges Pompidou à l'organisation du système de soins. Une organisation cohérente qui s'appuie sur deux piliers, l'hôpital et la médecine de ville. Deux piliers, mais je dirais des jambes inégales. Je voudrais d'abord parler de l'importance déterminante qui a été donnée à la constitution de l'hôpital public moderne. Je crois que ces années 60, ces années 70, ces années du commencement de la Ve République et de son affirmation, ont fait de l'hôpital public ce qu'a été l'école publique pour la Troisième République. C'est-à-dire pas simplement, un outil, pas simplement une institution, mais véritablement un vecteur d'un progrès qui dépasse son objet même. À travers l'école publique, c'est évidemment toute l'éducation, c'est évidemment toute la capacité d'ouvrir un avenir à des enfants. À travers l'hôpital public, ce n'est pas simplement apporter le progrès médical, c'est aussi traduire concrètement, au plus près des citoyens, un certain nombre de valeurs républicaines. Le droit à la santé, tel qu'il existait dans le préambule de la Constitution de 1946, trouve là à s'incarner de manière extrêmement concrète, extrêmement directe. Donc, nous avons parlé de miracle hospitalier hier. Le miracle hospitalier, il a existé, mais il n'est pas né d'une sorte de conjonction astrale de hasard. Il est né d'une volonté politique extrêmement déterminée, extrêmement construite et qui s'est poursuivie avec ténacité. Le deuxième élément de cette organisation du système de soins, c'est évidemment la question de la médecine libérale. Là aussi, nous l'avons évoqué hier en soulignant en particulier l'importance qui a été l'invention par la loi du système des conventions nationales en 1971. C'est là aussi un changement de paradigme complet. Jusque-là, les conventions étaient départementales. Il convenait que chaque médecin y adhère de manière positive. S'il n'y adhérait pas, il n'entrait pas dans le champ de la convention. Les tarifications étaient hétérogènes et donc les remboursements également d'un département à l'autre. Avec la création de la convention nationale, a été mis en place un système d'accès aux soins en médecine de ville égal pour tous les citoyens. C'est donc le premier point que je voudrais retenir. Cette organisation cohérente, chaînée du système de soins qui a créé un système de santé sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Deuxième élément extrêmement important également, ça a été la question de l'accessibilité de l'ensemble de la population au système de soins. Pas simplement par la proximité géographique, mais par l'accessibilité financière. Le fait que le système d'assurance maladie ait été complété de manière déterminante à ce moment-là est évidemment un élément essentiel, qu'il s'agisse des travailleurs indépendants, qu'il s'agisse des exploitants agricoles. Ce mouvement se poursuivra après Georges Pompidou, mais les bases essentielles ont été portées à ce moment-là. Le troisième point saillant que je voudrais retenir, c'est le fait que dans cette conception cohérente et dans cette affirmation d'un État stratège en matière de santé publique, les pouvoirs publics et Georges Pompidou ont eu le souci d'éviter une forme d'étatisation. Il a été rappelé que Georges Pompidou était un libéral et qu'il était un pragmatique.
Il a résisté à une forme de tentation bien française qui aurait été que l'État administre tout par lui-même. Il s'est appuyé donc de manière extrêmement volontariste sur des corps intermédiaires. Quels étaient ces corps intermédiaires? C'était d'une part, en matière d'extension de la sécurité sociale et de gestion de l'assurance maladie, les organisations professionnelles, patronales et syndicales. Les ordonnances de 1967, qui ont créé la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sortant donc de la Caisse générale de sécurité sociale unique, qui réunissait à la fois la branche famille, la branche vieillesse et la branche maladie, a créé une forme de paritarisme que Georges Pompidou aurait voulu voir se développer en une forme de paritarisme rhénan, mais qui confiait aux organisations syndicales d'une part et aux organisations professionnelles d'autre part le soin d'adapter en permanence à la fois les prestations et les recettes aux besoins de l'assurance maladie, avec un objectif très clairement affirmé qui était la prohibition du déficit. On sait que ça n'a pas fonctionné, mais c'était évidemment quelque chose de très important dans la conception de Georges Pompidou. Autre manifestation de ce souci de s'appuyer sur les corps intermédiaires, c'est la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés. C'est un autre modèle qui a été à ce moment-là créé comme une sorte de contre-modèle à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, puisqu'il s'agissait de confier à des mutuelles, voire à des institutions d'assurance, le soin de prélever les cotisations et de gérer les prestations. Troisième exemple, c'est la Convention nationale de 1971 que j'évoquais à l'instant, le fait que ce système de convention nationale confortait le syndicalisme médical en lui donnant une responsabilité éminente de négociation avec l'assurance maladie. Enfin, je voudrais insister sur le fait que cette modernité que reflètent bien les différentes interventions de notre colloque a amené à se saisir ou à commencer à se saisir d'un certain nombre de besoins, de préoccupations de santé qui étaient alors émergentes. On l'a vu en matière de pollution atmosphérique, on l'a vu en matière de protection des consommateurs, on l'a vu au regard des attentes sociétales en matière de contraception. Il y a eu là une capacité à se saisir, à capter un certain nombre de besoins, une forme de sensibilité, j'allais dire du bout des doigts, qui est évidemment extrêmement intéressante. Alors, oui, il y a eu cette modernité, ces changements de paradigme extrêmement profonds. Et il reflète, me semble-t-il bien, dans la manière dont les choses se sont mises en place, la méthode de Georges Pompidou. Premier élément de méthode, c'est la volonté politique. Au fond, il a été rappelé à plusieurs reprises que beaucoup des réformes qui ont été engagées avaient commencé à être réfléchies sous la IVe République. Les germinations sont souterraines. Mais pour que les plantules qui éclosent portent du fruit, il faut qu'il y ait un jardinier, quelqu'un qui porte absolument une ambition. Ça a été le cas de Georges Pompidou. Donc, de la volonté, une volonté politique. Deuxièmement, une capacité de ténacité dans la hardiesse. Aucune des réformes qui a été portée à ce moment-là n'a été une réforme facile. Aucune réforme n'est allée de soi. Il fallait donc de la ténacité, de l'opiniâtreté pour réussir ces réformes. Troisième élément, c'est tout simplement
le fait que à cette hardiesse devait s'allier du courage. Du courage à la fois dans la décision, mais aussi du courage dans la capacité, le cas échéant, à infléchir un certain nombre de ses ambitions. Ça a été clairement le cas de Georges Pompidou, avec cette capacité de ces années-là à s'appuyer sur des modes de concertation qui étaient des modes de concertation adaptés à cette époque-là. Nous avons évoqué à plusieurs reprises le rôle des plans. Alors, chacun sait ce qu'étaient les plans à la française. Comme le disait le premier commissaire au plan, Pierre Massé, c'était une ardente obligation, c'était une mystique, ça n'était certainement pas une forme de contrainte. Mais les commissions du plan, tous les 5 ans, étaient le creuset pédagogique pour agir ensemble, déminer un certain nombre d'oppositions et permettre d'avancer. Je crois que cette dimension de la pédagogie régulière, de la mesure des objectifs atteints ou qui restaient à atteindre, a été un vecteur très profond de ce progrès tout au long de ces années. Ce qui s'affirme à travers les contributions qui nous ont été apportées, c'est aussi cette vision de la France du président Pompidou. À plusieurs reprises a été affirmé le fait que le président Pompidou, le premier ministre Pompidou, se souciait du bien-être des Français. Je crois que la caractéristique essentielle de Georges Pompidou, c'est qu'il n'a jamais disjoint le bonheur des Français de la grandeur de la France. Je vous remercie.